Bonsoir, bienvenue à tous. Donc, je suis Olivier Château de l'Université de Montréal. Je suis professeur de biologie numérique et je participe au projet des savoirs communs du cinéma québécois avec la Cinémathèque. On est très heureux de vous accueillir ce soir à cette rencontre professionnelle sur les licences libres. Vous le savez tous, la question des licences libres dans le domaine culturel est une question brûlante. Elle apparaît au tournant des années 2000, en particulier à partir de la déclaration sur le Open Access de Budapest. Et dès la déclaration sur le Open Access de Berlin, les scientifiques invitaient les institutions culturelles à partager leurs données et à contribuer en fait à ces politiques d'Open Access. De fait, ce sont essentiellement les bibliothèques qui se sont très fortement engagées en fait dans les politiques de mise à disposition de leurs données culturelles. Au tournant des années 2010, en particulier la Bibliothèque nationale d'Allemagne, qui rend disponible en fait l'ensemble de la bibliographie sous licence libre, puis par la suite la British Library et toute une série d'institutions suivies par les musées ont rendu disponibles les données sur leur collection, ainsi que par la suite des contenus en utilisant les licences libres. Alors ces licences, elles posent évidemment des enjeux juridiques, elles s'inscrivent dans des politiques plus larges qui rejoignent en fait les politiques d'open data ou d'open government qui sont développées au milieu des années 2000. Et on voudrait en fait ce soir essayer d'un peu faire le point sur ces questions de licence. Le Canada est présent en réalité sur cette politique d'open access, mais le domaine culturel est encore peu contributeur, je pense, aujourd'hui au Canada. Il y a certains leaders, hein, vous avez des musées qui ont publié leurs données, des bibliothèques, on va en parler ce soir. Et on espère que la soirée sera instructive. Vous l'avez décidé dans le cadre du projet Savoir commun du cinéma, initié par la Cinémathèque québécoise en 2018. On a décidé avec Emmanuel Chapoliti et José Plamondon d'organiser des rencontres professionnelles, parce qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de lieu ni de moment clé pour réunir un petit peu tout le monde du milieu culturel et de l'univers du web sémantique autour d'un moment fédérateur qu'on pouvait discuter ensemble. Donc on a créé ces rencontres dans le but de discuter des enjeux reliés aux données ouvertes LD et de découvrir également des projets initiés au Québec dans ce domaine, puisqu'on s'est rendu compte également que c'est assez, c'est pas toujours évident de voir ce qui se fait au Québec dans ce milieu-là. L'idée est de vraiment partager nos initiatives, nos problématiques autour de cette table. Alors je tiens à remercier le Conseil des arts du Canada qui finance l'initiative Savoir commun du cinéma, le Conseil des arts de Montréal qui finance en particulier les 4 rencontres professionnelles qu'on organise de décembre à juin 2020, Emmanuel Château-Dutier et José Plamondon qui n'est pas avec nous aujourd'hui mais qui sera là pour les prochains mois. Donc ces rencontres-là ont lieu une fois tous les 2 mois, le jeudi, à cet espace café. Et les prochaines auront lieu le jeudi 19 mars 2020 et le jeudi 21 mai 2020. Donc il y aura d'autres sujets probablement sur les enjeux de visualisation et de sémantisation. Donc le déroulement de cette rencontre. Alors ce qu'on vous propose ce soir, c'est une rencontre en partie avec suivi d'un temps de réseautage, donc on a peu de temps, mais on va essayer de faire ça efficacement. En fait, une première discussion avec Olivier Charbonneau et Hakim Châteauneuf, suivi d'une période de questions. Ensuite, une seconde partie qui sera l'occasion de présenter le projet de Rights Statement de la BANQ par Jean-François Palomino et William Kronstrom-Richard, suivi également d'une période de rencontre. Et comme je vous disais tout à l'heure, en fait, un temps de réseautage pour échanger et discuter sur ces différents enjeux. Donc on va commencer tout de suite avec la table ronde. Donc je vous présente Hakim Châteauneuf. Hakim est bibliothécaire, anthropologue et parfois photographe. Après avoir travaillé plus de 10 ans à la Grande Bibliothèque, elle évolue maintenant comme bibliothécaire au sein de la direction des bibliothèques de Montréal. Impliquée depuis 2017 au sein du CA de Wikimedia Canada, elle en est maintenant la présidente. Elle s'intéresse particulièrement aux livres, à l'implication citoyenne ainsi qu'à la sous-représentation des femmes dans la sphère publique. Et Hakim va s'entretenir avec Olivier Charbonneau, qui est bibliothécaire agrégé et chercheur à l'Université Concordia. Il s'intéresse aux questions du droit d'auteur, de l'accès libre et des médias sociaux, Web 2.0. Il est docteur en droit depuis 2017, faculté de droit de l'Université de Montréal.
et il paraît même qu'il est impliqué dans la vie associative du milieu des bibliothèques et de la culture depuis le dernier millénaire. Il détient deux maîtrises de l'Université de Montréal, une en sciences de l'information et une en droit, ainsi qu'un baccalauréat en commerce de l'Université McGill. Il tient un carnet de recherche depuis 2005 à culturelibre.ca, ainsi qu'un carnet de travail en anglais depuis 2011 à outfind.ca. Donc l'objectif de la table ronde va être d'expliciter déjà des termes qu'on entend souvent, qu'on utilise souvent, tels que le domaine public, les licenciés, les licences créatives communes, les licences ouvertes, de faire comprendre un peu quelles questions juridiques impliquent les projets de données ouvertes et liées ou de diffusion de contenu culturel sous licence libre, et de faire connaître un peu les différentes options possibles, en fait, quelles sont les démarches, quelles sont les conditions de diffusion, en tout cas d'en proposer, d'en questionner quelques options. Donc on va aborder trois thématiques. Donc la première sur les questions juridiques, par quelles questions on commence en fait, par quelles questions juridiques on commence quand on veut démarrer un projet de l'université. Quelles sont les conditions de diffusion des données et des données culturelles et quelles sont les exceptions dont on peut bénéficier par rapport aux droits d'auteur. Donc on va consacrer une vingtaine de minutes à ces thématiques et ensuite vous aurez une période de questions. Donc, on va 10 minutes. Je commencerai. Quand on démarre un projet de données ouvertes ou de discussion sous licence libre de contenu culturel, quelle question juridique pour commencer par ce point? Bonjour, merci l'invitation. Alors, une des premières étapes, c'est de relire ces contrats. C'est un peu bête à dire, mais souvent. Ah non, il faut allumer le micro. Donc, l'idée, est-ce que vous m'entendez? Alors, une des premières étapes, en fait, c'est de réfléchir au statut juridique que les corpus dans vos collections ou des corpus que vous devez gérer et définitivement d'avoir une idée des contrats qui ont été signés par rapport au contrat. Alors, l'idée ici, c'est qu'un projet de numérisation de masse ou un projet de libération de données va impliquer de prendre un corpus et de le transférer à un autre serveur, à un autre lieu. Il faut déterminer dans un premier temps qu'est-ce que vous voulez mobiliser comme données ou comme contenu. Et ensuite, quel est le statut juridique des œuvres ou de chaque item dans ces collections-là. Une des façons de le faire, c'est de concevoir votre corpus et de regarder les classes distinctes par rapport à leur statut juridique. Je vais vous donner un exemple très simple. Quand vous rentrez à la grande bibliothèque, juste de l'autre côté de la rue, là-bas, ben, les romans sont au troisième, et la musique est au quatrième, tu sais, je travaille dans une bibliothèque, je ne peux pas aller dans la grande bibliothèque. Donc, on a classé la collection en vertu du média. C'est avant le numérique, le statut, le média qui supportait le contenu allait nous donner une bonne idée du statut juridique des œuvres. Donc, on a classé la collection en fonction du média. Mais aujourd'hui, même à l'intérieur de toute la musique que vous pourriez avoir dans vos collections, chaque item pourrait être présent selon des modalités juridiques différentes. Et il se peut que vous ayez le droit en vertu d'un contrat, ou en vertu d'une exception au droit d'auteur, ou en vertu d'une politique institutionnelle. Et c'est à vous de réfléchir à quel est le statut juridique de chaque sous-corpus à l'intérieur de vos collections. Ce modèle-là s'applique à la fois pour l'entièreté d'une collection patrimoniale, comme on a ici à la Cinémathèque, ou à un niveau plus petit à l'intérieur d'une œuvre même, passons juste à un film. Le film a de la musique, il y a des intervenants qui ont été. À la création, qui ont été devant la caméra, en arrière de la caméra, et toutes ces interactions-là génèrent des situations juridiques. Alors, ce que je propose comme modèle, c'est de créer des corpus distincts d'œuvres, de sous-œuvres à l'intérieur des différents objets pour pouvoir savoir le statut juridique de chacun de ces sous-corpus-là. Et ensuite, on peut savoir si on peut les mobiliser pour les envoyer dans un autre serveur. C'est un peu ce qui a été fait dans le rapport juridique des métadonnées culturelles de la Cinémathèque. Ce que j'ai proposé, c'est de regarder les conditions juridiques de chacun des pans de données qui sont détenus par la Cinémathèque pour déterminer quels en sont les statuts juridiques exacts. Puis en fait, l'idée, c'est qu'une fois qu'on a fait ce travail-là, d'avoir une idée du statut juridique des sous-corpus, sous
l'égide de l'institution, ben, il faut essentiellement déterminer les quatre modèles pour utiliser du contenu légitimement au Canada, les quatre institutions juridiques, si j'ose dire. C'est pour ça qu'on fait des doctorats en droit et qu'on est plus efficace, pour arriver à un seul graphique qui représente l'entièreté du droit d'auteur. C'est un exercice de synthèse pour expliquer que finalement, quand on mobilise du contenu d'autrui, il y a quatre possibilités. Soit qu'on a une préautorisation, comme dans le cas d'une société de gestion collective ou une licence libre, qui sont fonctionnellement une préautorisation. Soit qu'on invoque une exception au droit d'auteur, soit qu'on va demander la permission auprès du titulaire, ou qu'on crée une nouvelle œuvre qui est un contexte très précis, là, que je vais discuter plus tard. Mais l'idée ici, c'est qu'une fois qu'on a une idée du corpus qu'on a sous la main, on va déterminer laquelle de ces quatre options-là on invoque pour mobiliser le contenu pour le livre. Dans ta réponse, en fait, tu nous parles de contenu et donc d'œuvres qui sont soumises au droit d'auteur, potentiellement. Qu'est-ce qu'il en est exactement du cas des métadonnées, c'est-à-dire de l'information documentaire produite par les institutions dans les bases de données, et qui intéresse aussi la question des licences quand on parle d'ouvrir les collections? Donc, c'est important de savoir qu'au Canada, les faits ne sont pas protégés par le droit d'auteur. Et aussi, les compilations exhaustives ne le sont pas. Donc, je vais vous donner un exemple que moi je connais bien étant bibliothécaire pour les notices bibliographiques. Quand on parle d'une bibliographie de livres, la filmographie serait le même principe. C'est quand on parle titre, auteur, éditeur, année, page, etc. Ça, c'est un dépouillement assez direct de l'œuvre comme telle. Ce sont des faits. Et ces faits-là sont difficilement protégeables dans le droit d'auteur canadien. Il existe, par exemple, en Europe, des dispositions précises sur les données factuelles qui vont être protégeables selon un système qu'on appelle sui generis, mais au Canada, nous n'avons pas ce genre de dispositions-là. Alors, c'est très clair que les faits ne sont pas protégés dans le droit d'auteur. Ceci dit, il y a peut-être certaines parties d'une même notice, prenons un livre ou un film, qui pourraient être protégées par le droit d'auteur. Je pense ici spécifiquement à une description ou un commentaire ou une évaluation personnelle qui pourrait être vue comme étant un paragraphe ou deux de texte. Dans ce cas-là, la description ou l'appréciation personnelle pourrait se voir conférer une originalité qui introduit un droit d'auteur. Donc, dans le contexte de la cinémathèque, ce qui était vraiment intéressant, c'est malgré le fait que beaucoup des données sont fournies lors du dépôt légal, en compte, qui sont fournies par d'intervenants du milieu pour nourrir les bases de données de la cinémathèque. Ce sont en fait des données factuelles et il n'y a pas de protection de droit d'auteur. Ceci dit, quand un festival va prendre une œuvre et faire un commentaire ou va la critiquer, ben, dans ce cas-là, ce commentaire-là, oui, ça pourrait être vu comme étant une œuvre protégée par le droit d'auteur. Donc, tout dépend du statut juridique à l'intérieur d'une même notice. Il se peut qu'une même notice ait différentes valeurs de droit d'auteur. Là, on parle d'une notice seulement, mais lorsqu'on parle d'organisation de plusieurs notices, voilà. Tu fais la distinction peut-être. Tout à fait. Donc là, on s'amuse, hein, c'est ça. Donc, on parle d'une même notice qui peut avoir, même selon les champs, des statuts juridiques différents. Ensuite, une compilation exhaustive. Je vais le mentionner rapidement, mais une compilation exhaustive, c'est que si on prend la liste de tous les films qui sont sortis en 2010, cette liste-là, c'est une liste actuelle, exhaustive. La liste elle-même ne pourrait pas générer un droit d'auteur. Ceci dit, mes 10 listes préférées à vie pourraient se voir conférer un droit d'auteur. Donc, s'il y a originalité dans la sélection d'une liste factuelle, là, c'est rendu dans le détail. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les années 90, c'était le best-of d'une station de musique. Ben, ces listes-là de chansons pouvaient se voir conférer un droit d'auteur, juste sur la liste elle-même. Donc, comme on tombe un peu dans les détails, ce qui est quand même important de constater, c'est le concept d'originalité. C'est ça le point central quand on parle de métadonnées ou de données. Okay? Plus la donnée est factuelle, moins elle est protégeable. Plus elle est originale, plus c'est facile de prétendre un droit d'auteur. Donc, l'originalité, c'est le point central ici à discuter, à la fois au niveau d'une notice, chacun des champs, mais aussi dans la compilation de plusieurs notices. Je ne sais pas si ça intéresse tout le monde ici, mais ça, je trouve ça fascinant comme bibliothécaire, parce qu'en fait, l'autre point, c'est qu'un droit d'auteur, il y a deux éléments. Il y a un élément économique, monétaire, puis un autre élément de respect de la démarche artistique. C'est important de le mentionner.
On peut se questionner longtemps sur est-ce qu'il y a un droit d'auteur et quelle est sa force, mais le marché est vu comme étant le moyen de déterminer la valeur du droit d'auteur. Puis là, on est vraiment dans des minuscules micro-œuvres qui n'ont peut-être pas de valeur, même si c'est protégé par le droit d'auteur. C'est peut-être un droit d'auteur symbolique, mais en réalité, est-ce qu'il y a vraiment un marché à exploiter? C'est sûr que les groupes diront que Google et Facebook sont capables de créer des marchés planétaires juste avec ces micro-données-là et d'accumuler ces faits-là en créant des grosses bases de données. Mais le fait reste qu'une énième contribution d'un like, est-ce que ça génère vraiment un droit d'auteur? La source également de création des métadonnées a une importance quand même dans la gestion des droits d'auteur. Est-ce que tu pourrais développer un petit peu cet aspect? Ça, j'en parle dans le rapport aussi. C'est que il y a différentes personnes qui vont vouloir contribuer, mettons, à une base de données ouverte. Si vous faites un projet ouvert, vous invitez la communauté à contribuer chacune, chacun, des descriptions, des appréciations, tout ça. Bien, je vous conseillerais, je ne suis pas avocat, je suis bibliothécaire, c'est encore mieux, je ne suis pas avocat, mais je vous conseillerais d'avoir des conditions d'utilisation d'un tel site web pour vous assurer qu'il y a une clarté sur comment les droits vont transiter dans la base de données. Donc ça serait pertinent de dire, conditions d'utilisation, mentionner les droits d'auteur. Un autre point à mentionner, c'est que dans les opérations de la Cinémathèque, entre autres, et dans beaucoup d'autres organisations, des fois c'est des employés permanents temps plein qui ont travaillé sur les données, des fois c'est des stagiaires, des fois c'est des bénévoles, des fois on ne le sait pas, des fois ça vient de je ne sais pas où, c'est d'une telle qui est plus là. Alors, tous ces états-là, toutes ces conditions d'emploi-là vont amener différentes institutions en droit d'auteur. Généralement, les employés temps plein, s'il n'y a pas d'autres conditions juridiques qui s'appliquent, c'est l'employeur qui va se déclarer pour les employés permanents temps plein. Ça peut être changé dans des conventions collectives pour garder vraiment les contrats d'embauche. Si c'est des contractuels, s'il n'y a aucune mention du droit d'auteur dans tous les contrats d'embauche, c'est les contractuels qui vont se déclarer. Donc ça, c'est important de le mentionner. Tout ce qui est freelance, c'est pas l'institution qui va se déclarer, à moins que le contrat d'embauche le précise. C'est important, c'est l'article 13 de la loi. Oui, ben 2012, mais ils ont ça a touché les photographes. Mais enfin, il y a tout le temps des petits détails comme ça. Mais l'idée ici, c'est que employé temps plein, c'est l'employeur, contractuel, c'est le contractuel qui possède les droits d'auteur. Mais là, il faut préciser le tout dans les contrats. C'est d'où l'intérêt des contrats dans ce contexte-là. On parlait d'originalité pour voir si un fait se fait protéger par le droit d'auteur dans le contexte. Du travail, des contributions de différentes personnes. Alors, c'est vraiment le contrat d'embauche, le contrat de travail qui va déterminer ou l'état de la personne qui va déterminer le statut du contrat. Moi, quand je rencontre les institutions, une question qui revient de départ, c'est quoi les étapes, étape 1, étape 2, étape 3, pour pouvoir dans mes collections, dans mes données, dans ce que j'ai comme matériel, qu'est-ce qui pourrait être libéré ou du moins complètement partagé. Tu parlais des quatre types d'usages, donc c'est une première analyse, j'imagine, qu'on fait dans nos collections. Dans le cas de la Cinémathèque, l'accompagnement que tu as fait, est-ce que vous êtes allé jusqu'à regarder au niveau même des collections, comment ça peut être libéré, ça serait quoi le bon chemin à prendre, parce qu'il y a plusieurs chemins, c'est quoi que tu avais pris, selon l'étude de finance? Là, on parle de numérisation de masse, oui. C'est ça que tu entends? Oui. C'est sûr que quand on tombe dans la numérisation, il y a différentes approches qu'on peut faire. À prime abord, la loi est assez claire par rapport aux bibliothèques, archives, musées. Si on ne peut pas acheter une version accessible sur le marché dans un format adéquat, la loi permet automatiquement une numérisation. Ce que la loi ne mentionne pas, par contre, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu'on fait avec cette numérisation. Là, spécifiquement, je parle de l'article, pour les juristes dans la salle, l'article 30.1. C'est l'article 30.1 de la loi sur le droit d'auteur canadien. Et là, c'est là où c'est intéressant, parce qu'on peut faire une préservation. Donc, l'idée, c'est cet article-là, c'est préservation et gestion des collections, c'est l'intitulé de cet article-là. Donc, on peut tout de suite numériser. Mais après ça, quel est le niveau d'accès qu'on peut donner à cette œuvre-là? Et c'est là où on va pouvoir se reparler probablement, parce que la question demeure, qu'est-ce qu'on fait avec? Et là, l'idée, c'est de développer un outil professionnel pour voir comment est-ce qu'on peut résoudre cette équation. Parce que pour la préservation, pas de problème, on numérise haute résolution, tout de suite,
go. Okay. Mais là, après ça, est-ce qu'on peut la montrer dans les écoles? Est-ce qu'on peut la mettre en ligne? Qu'est-ce qu'on fait avec? C'est pas clair. Alors, il y a probablement quelques paramètres qu'on pourrait déterminer pour moduler l'accès. Un des paramètres, par exemple, ce serait la résolution. Et une autre, plus la résolution est élevée, moins elle est diffusable. Oui, oui, exactement. Non plus. Par exemple, je vais donner un bel exemple. On pense tout le temps, est-ce que je peux numériser un œuvre cinématographique même sans ligne? La question du moment, je pense, qui est pertinente, c'est les vignettes qui représentent les pochettes de DVD, les vignettes qui représentent les affiches de films. La question devient, OK, un fichier haute résolution qui permet une impression à une taille, à une très grande taille, ça peut remplacer l'œuvre. Elle va être moins diffusable. Mais à quel moment la résolution diminue tellement que la fichette devient juste une métonymie? Ça, c'est une des questions que je me pose souvent. Je n'ai pas la réponse à cette question. Plus on diminue la résolution, moins l'œuvre va pouvoir être transposée, par exemple, sur papier ou imprimée en grande échelle. Plus elle devient une vignette, timbre poste, qui va juste représenter l'œuvre. Mais si elle devient une résolution tellement infime, juste utiliser sur un écran d'ordinateur pour représenter l'œuvre deviendrait-elle une métadonnée, deviendrait-elle factuelle? Alors là, ça c'est... Merci de poser la question. En deux points, aux États-Unis, il y a le Fair Use qui est amplement utilisé, entre autres, dans Wikipédia en anglais pour les affiches de films. Donc, on peut donner la très basse résolution. Donc, ce que je comprends, on pourrait tester la chose au Canada également, de dire on va essayer de mettre une image de très basse résolution, puis on voit si ça passe. Bien, ce que je dirais, c'est que le régime d'exception aux États-Unis et au Canada sont très proches l'un de l'autre. La distinction entre les deux, c'est qu'aux États-Unis, ils ont une définition ouverte de ce qu'est une exception pour du fair use. Puis d'ailleurs, fair use, pour m'en souvenir, use, c'est US. Ça veut dire fair use, c'est États-Unis, ça ne s'applique pas au Canada. Donc, aux États-Unis, les dispositions sur le fair use disent que des usages tels que la critique, la parodie, etc., vont être autorisés. Ce tel que-là, such as en anglais, fait qu'on pourrait prétendre que l'inclusion de données dans Wikipédia est prévue dans la loi américaine du fair use. Au Canada, on a une définition fermée des exceptions pour utilisation équitable, donc il faut se qualifier pour un des 8 cas. Est-ce que c'est de la recherche, est-ce que c'est du compte rendu, est-ce que c'est de la communication nouvelle, et ainsi de suite, pour déterminer si l'utilisation équitable s'applique dans ce cas. Et du coup, au Canada, le Fair Dealing contient les usages pédagogiques, les usages culturels. Est-ce que les musées peuvent se prévaloir de cette clause? Les musées pourraient s'en prévaloir s'ils sont capables d'articuler dans une politique institutionnelle comment ils articulent leur mission en fonction de ce qui est autorisé dans la loi. Puis d'ailleurs, ça, c'est ce que le jugement CCH de 2004, la Cour suprême nous offre ce jugement-là, le milieu patrimonial, où la politique institutionnelle de la Bibliothèque du Barreau au Canada, c'est l'Ontario, avait une politique institutionnelle où elle édictait les paramètres selon lesquels elle évoquait l'utilisation équitable. Donc, moi, ce que je conseille à tous et toutes, d'avoir des politiques institutionnelles qui vont définir ce genre d'usage-là. Et d'ailleurs, si on montre la fois aux questions pour le milieu scolaire, c'est un travail que j'ai fait avec mes collègues du milieu scolaire pour que les commissions scolaires se dotent de politiques pour respecter le droit d'auteur. À l'intérieur de ce document-là, on a travaillé pendant 4 ans, un groupe de bibliothécaires à travers la province pour articuler mon modèle pour les commissions scolaires afin que tous et toutes respectent le droit d'auteur. Il y a même une ébauche de politique pour le respect du droit d'auteur dans ce document-là qui est en ligne, qui est gratuit en Creative Commons, soit dit en passant. On a appliqué mon modèle à tous les cas d'utilisation de musique, de théâtre, de film, etc. à l'intérieur du contexte des commissions scolaires et on a aussi proposé une politique type qui peut être réutilisée d'ailleurs par les institutions muséales. Si vous comprenez comment ça s'est fait, appelez-moi, ça va me faire plaisir d'en discuter avec vous. On peut facilement l'adapter, entre autres avec la cinémathèque, parce qu'on a déjà évoqué cette possibilité-là, pour pouvoir justement mobiliser des données ou des œuvres légales. J'aurais une question pour Léa Kim, peut-être. Comment ces questions s'appliquent à Wikimedia Commons? Est-ce qu'il y a des spécificités pour Media Commons? Comment vous pensez un projet? C'est un peu le Far West. Sur Wikimedia Commons, qui est la grande
médiathèque, on pourrait dire, des projets wiki, donc qui alimentent des projets comme Wikipédia, comme Wikidata. En règle générale, une des premières règles qui est citée, puis qui est dès qu'on la met en pratique, ça marche plus ou moins, c'est que les documents qui sont versés sur Wikimedia Commons doivent respecter le droit américain et le droit du pays où est-ce que le document est produit et publié. Donc déjà, à partir du moment où on publie une photo, par exemple, serait libre de droit ici après 50 ans, mais elle n'est pas vraiment aux États-Unis encore. Donc ça contreviendrait à la première règle de Wikimedia Commons, mais dans les faits, tout le monde le fait selon le pays seulement d'origine et non pas celui des États-Unis où sont situés les serveurs en général. D'où j'imagine la règle de respecter le droit américain. Ensuite, il y a des licences qui peuvent être utilisées, en fait, qu'on doit utiliser pour pouvoir déposer les documents sur Commons, qui sont soit sous le domaine public ou Creative Commons, et ce ne sont pas toutes les licences Creative Commons qui peuvent être utilisées. Un tableau que je présente souvent, qui est le tableau des licences Creative Commons, démontre bien juste à côté du dossier en haut. Hein? Donc, les licences les plus restrictives qui comportent du non commercial, non dérivé, ne sont pas permises dans les projets Wiki. C'est vraiment seulement les licences, donc domaine public et ensuite CC0, CC BY, j'oublie toujours les termes en français, et BY SA. Donc, la paternité, disons, et le partage authentique. Et la distinction, si les gens ne la connaissent pas dans la salle, entre le domaine public et le Creative Commons CC0. C'est qu'il y a beaucoup de pays où est-ce que le domaine public ne s'applique pas automatiquement, même si on décide de vouloir déposer un fichier dans le domaine public. Il y a certains pays où la loi ne le permet pas. Donc moi, la crime chartonnage, je prends une photo, je la mets dans le domaine public, mais la loi de mon pays ne le permet pas. Donc la licence Creative Commons permet vraiment à l'international de déposer des documents sous une licence qui, dans les faits, est similaire à celle du domaine public. Donc pour les institutions, ben, c'est bon de toujours savoir que quand on dépose des documents sur Wikimedia Commons, pour les mettre en valeur, par exemple, à travers Wikipédia ou Wikidata, souvent les institutions vont être portées à vouloir utiliser une licence qui est non commerciale. Donc, est-ce qu'on ne peut pas faire un usage commercial de cette image-là, par exemple, ou de ce document-là? Ce n'est pas permis dans les projets Wiki. On doit pouvoir en faire un usage commercial pour assurer un maximum de réutilisation de ce document. Dans le cas des photographies, par exemple, souvent les institutions vont essayer de mettre une plus basse résolution, va permettre d'avoir une bonne utilisation à travers les différentes plateformes, mais pas d'en faire une affiche de 2 mètres par 3 mètres vendue chez IKEA, par exemple. Alors, si on résume, en fait, on a différents cas de figure. On a des œuvres qui sont soumises au droit d'auteur ou des contenus qui peuvent être soumis au droit d'auteur. Vous conseillez de faire l'inventaire, en fait, de ces ressources pour dresser un panorama, mais souvent, en fait, les institutions disposent de métadonnées dont elles possèdent les droits, en réalité. Alors, dans ces cas-là, si l'institution souhaite s'engager dans une politique de diffusion de ses données, de ses contenus, quelles sont ses options? C'est-à-dire, comment est-ce qu'elle peut y parvenir, justement, en utilisant les licences dont vous venez de parler? Quand je parlais de Wikimedia Commons, on parlait principalement de fichiers audio, vidéo, photographiques, iconographiques, textuels. Si on parle de données, là, c'est Wikidata, qui est un autre projet Wiki, qui est une métabase de données qui permet de rassembler les données de différentes bases de données par le monde. Et puis là, il est sous une licence CC0. Donc, les données, comme on disait, la donnée d'un fait. Donc, elle n'est pas soumise aux droits d'auteur. Wikidata permet de rassembler tous ces éléments-là, ces données-là, sous une même base de données, pour ensuite, par exemple, les mettre en relation et faire des requêtes qui peuvent permettre de faire une utilisation. Question. Donc, une institution qui décide de mettre ses métadonnées à la disposition du public n'a aucun recours pour, par exemple, décider qu'on ne veut pas que nos métadonnées soient utilisées pour des fins commerciales. On ne peut pas les protéger. Si on utilise, par exemple, Wikidata, dans ce cas-ci, c'est en CC0, donc sous licence. Oui, tu l'as acheté encore. Ok, je vais juste terminer rapidement. Oui. Donc, oui, c'est un pas à faire pour les institutions. L'analyse que je dis toujours qu'on doit faire, c'est qu'est-ce qu'on a en contrepartie. Bien, souvent, ça va être la visibilité, ça va être le référencement, puis ça va être qu'on continue aussi un projet qui permet aux gens du monde entier de profiter de ces données-là. Oui, il y a des Google et compagnies qui vont aller puiser ces données-là, qui vont les réutiliser. Mais l'avantage, si j'ajoute par exemple la date de décès d'un cinéaste dans Wikidata,
Deux jours plus tard, je vais faire ma requête à la maison sur Siri ou sur mon assistant vocal, puis je vais avoir la réponse de la date du décès parce que Google a récupéré cette information-là. Donc, c'est la contrepartie. Il faut faire un pas moral, je dirais, pour se dire j'accepte que mes données puissent être utilisées ou ça dépend. Mais en fait, on n'a même pas le choix, si je comprends bien. C'est factuel, donc. Non, ça dépend. Certaines institutions utilisent des licences restrictives. Le problème, c'est que si vous voulez vous engager dans une politique d'ouverture, il faut adopter une licence qui soit adaptée à cette politique, et notamment pour participer à un projet Wikidata, il faut faire ça. Alors du coup, peut-être, pour clarifier un peu les choses, tu pourrais nous expliquer ce que c'est qu'une licence volontaire, et puis les différentes catégories de licences volontaires. À quoi est-ce qu'elles correspondent? Quelles sont les options? Mais juste avant, je voulais juste amener un petit point, une nuance ici, parce que c'est ça que Yakim, là-dessus on s'est rejoint. Il y a une différence entre votre base de données, toutes les données que vous avez dans vos ordinateurs, dans vos serveurs, et ce que vous allez mettre sur l'Internet. L'inventaire que vous pouvez faire, c'est ça la réflexion à avoir, c'est quelles sont les parties qui devraient être livrées à toutes et tous via Internet avec une réutilisation commerciale. Puis il y en a peut-être des segments qui ne devraient pas. Et puis c'est là que ça devient intéressant parce qu'on est dans l'univers numérique. On peut faire des copies, on peut regarder une partie de nos données, on peut en libérer certains éléments. Et c'est là où ça devient pertinent d'avoir une réflexion sur usage commercial, usage non commercial, et ça revient à la présentation des différentes licences. Parce que dans le fond, on n'est plus dans un modèle homéostatique où est-ce qu'on est obligé de livrer tout à l'identique, bang, comme ça, là, on peut vraiment dire, OK, ben, titre, auteur, date de naissance, date de décès, ça pourrait être quelque chose que oui, effectivement, c'est pour tout le monde, mais après ça, l'appréciation de ce film dans le festival, ben là, ça, c'est un champ qu'on va peut-être pas livrer dans Internet, qu'on va avoir dans une méthode d'accès un peu différente, plus nuancée. Mais c'est ça la réflexion à avoir. Puis ça, oui, il y a des éléments juridiques en termes de ça, mais en réalité, c'est très institutionnel. L'autre petit bémol que je voulais juste apporter avant de tomber dans votre question, c'est qu'il y a un travail à faire pour ceux et celles qui sont dans le domaine patrimonial à rajouter des champs sur le statut juridique des œuvres dans votre collection. Puis ça, là, les métadonnées juridiques, là, je fais un doctorat là-dedans parce que ça manque. Parce qu'il faut maintenant posséder un objet dans une collection, un livre sur un rayon ou une bobine dans un placard. C'est plus assez comme description. Avant, dans le monde analogue, oui. La possession d'un objet physique représentait un droit et on n'y pensait plus. Maintenant, d'avoir un objet numérique sur un serveur ou d'avoir accès à quelque chose, il faut réfléchir à selon quel contexte est-ce qu'on y a accès. Est-ce que c'est une licence? Est-ce que c'est quelqu'un qui nous l'a? Est-ce que c'est un don? Est-ce que c'est une acquisition? Si c'est une acquisition, par quelle licence? Par quel régime juridique? Cette partie-là de nos données sont manquantes. Puis je fais un clin d'œil à nos collègues qui vont parler de brain statement dans quelques instants. J'imagine que ça s'en va dans cette direction-là. Mais c'est un travail colossal à opérer parce qu'on n'a pas ce réflexe. Bon. On a un exemple. Oui. Je vais juste donner un exemple de ce qu'on appelle la cinématique québécoise quand on parle justement de sélectionner des données, on n'est pas obligé de tout diffuser. Nous, pour l'instant, on a versé plus de 30 000 données dans Wikidata, mais ces données, ce sont seulement les identifiants. Donc les identifiants, vous le voyez là, donc on a simplement, mais c'est quand même un grand travail, mais on a indiqué dans Wikidata, on lui a dit, cette œuvre-là, la chambre blanche de Lepine, la chambre blanche de Jean-Pierre Lefebvre, dans notre base de données, elle porte le numéro 7642. C'est juste ça qu'on a mis pour toutes les œuvres qu'on avait du cinéma québécois, qu'on pouvait relier à Wikidata. Ça, c'est ouvert, ça va permettre de faire le lien en fait, entre les différentes bases de données. Donc ça permet vraiment une interopérabilité, puis d'aller chercher d'autres données dans toutes les autres bases de données qui sont par ailleurs listées aussi en dessous. Donc ça peut juste pour vous dire. Ça fait un lien direct vers votre base de données. Donc, si on clique dessus, on arrive directement à la base de données, la cinématique. Plutôt que de charger les données, en fait, tu fais juste la réconciliation. C'est un très bon usage, à l'exemple. Ouais. Ça ne veut pas dire que nos données ont été ouvertes par ailleurs. L'identifiant est ouvert. Je te laisse la parole. Bien. Je pense qu'on y a une période de questions à la fin, peut-être. Je pense qu'Olivier voulait aborder. Oui, ce serait peut-être bien de faire un petit point sur les licences, en fait, les différentes options qui sont offertes aux institutions culturelles. Tout le monde n'a pas les mêmes politiques. Il n'y a pas que les CC0.
Et il y a plein de solutions qui permettent d'ouvrir des collections et à des niveaux différents en utilisant ces licences volontaires. Mais c'est quoi une licence volontaire? À quoi ça correspond? Et c'est quoi les catégories qu'on venait de voir tout à l'heure en gradation? Est-ce qu'on pourrait avoir le graphique des licences que j'ai trouvé vraiment génial? Puis en fait, savez-vous ce qui est génial de connaître le droit d'auteur puis de donner ma connaissance autant que possible? Parce que je ne peux pas chercher pour, je ne suis pas avocat, mais les avocats, j'attends un peu, je trouve des liens avocats. Sauf que moi, je ne peux pas donner d'avis juridique. Donc ça, c'est important pour tout le monde de comprendre. Je ne peux pas dire, Olivier m'a dit que c'était correct parce que je ne suis pas un avocat. Donc, l'idée ici, c'est qu'il y a façon de moduler le droit d'auteur. Le droit d'auteur, c'est comme un système d'exploitation. Chaque licence, c'est un morceau de logiciel qui roule sur le OS culturel. Et puis, on peut choisir de moduler notre licence avec plusieurs options. Okay? Quand un artiste diffuse avec Sony ou Apple Music ou Spotify, il a choisi la licence Apple Music, Sony, Spotify. Il n'est pas qui est dans le copyright, qui est dans le, c'est un type de licence. On est dans des saveurs de licence. Okay? Donc, ce que les licences font, c'est qu'ils regardent les différents droits fondamentaux. Et ils vont moduler ce qui est autorisé ou interdit. Okay? On est tout le temps dans ce modèle-là de autorisé ou interdit. Pensez à une machine où on ouvre et on ferme des valves, là on est rendu là. Et c'est du contenu qui passe à travers le système. Et nous, quand on reçoit du contenu, les institutions patrimoniales, les bibliothèques, les musées, les archives et même les individus, ben, on essaie de recevoir selon différentes institutions ce contenu, comme de l'eau qui passe dans de la plomberie. Moi, j'appelle ça de la plomberie. Donc, plus on est restrictif, plus les droits sont fermés, plus on est dans le rouge, dans les droits réservés, et plus on est dans le permissif, ben là, on a pré-autorisé du contenu. Puis, tu sais, honnêtement, la différence entre une société de gestion collective et une licence libre ou volontaire, c'est l'aspect monétaire qui est absent. C'est-à-dire qu'on a pré-autorisé des usages en amont sans avoir une rémunération d'un prix. C'est juste ça qui change. Parce que oui, la société de gestion collective va autoriser, va pré-autoriser des usages, mais il y a un mécanisme de rémunération qui est prévu en arrière-plan. Donc, fonctionnellement, c'est à peu près la même idée, là où, bon, il y a quand même une grosse différence du point de vue monétaire. C'est quand même quelque chose. Alors, si on regarde les différentes options, la première question, c'est est-ce qu'on demande l'attribution ou non? Okay, donc, attribution, c'est Creative Commons by. Ensuite, on a le share alike, c'est-à-dire qu'on demande qu'il y ait une viralité dans la licence. Donc, la licence que l'on a imposée sur notre œuvre, on demande à ceux qui la réutilisent de réutiliser la même licence, c'est-à-dire que l'on donne au suivant, mais on s'attend que le suivant redonne à la suivante et ainsi de suite d'une façon récursive. Là, il y a une belle question à savoir si une micro-œuvre à l'intérieur d'un canevas va devoir changer le statut de... Bon, j'ai un exemple parce que mon graphique à 4, c'est un Creative Commons Attribution, puis là, il y a des gens qui... C'est pour ça que je n'ai pas mis share alike parce que je voulais que les gens le réutilisent, mais qu'ils disent que ça vient. Ensuite, le non-commercial, donc réutilisation commerciale ou non, et ainsi de suite. Puis, ND, c'est no derivative, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre une œuvre et en faire une œuvre dérivée. Par exemple, si j'écris un roman, je le mets en Creative Commons, ben, je ne veux pas qu'on fasse un film avec mon roman, par exemple. Ça serait l'exemple. Donc, cette idée-là, c'est que Creative Commons, dans le fond, se sont dit. Regardons les usages qui seraient prévus, qu'on veut pré-autoriser d'avance quand on est dans la création originale, quand on est le titulaire d'un droit. Bien, on va pouvoir moduler, on va ouvrir et fermer ces options-là pour pouvoir permettre le contenu de passer. Est-ce que ça répond? C'est ça qui est intéressant, c'est que oui, au Canada, là, je viens de dire que les données ne sont pas protégées par droit d'auteur, alors il y a quand même une ironie de parler de licence Creative Commons qu'on appliquerait à des données factuelles, exhaustives, parce que là, je suis comme, là, ça ne s'applique pas, c'est comme mettre une licence sur quelque chose qui ne peut pas être protégeable. Alors, il y a ce petit bémol-là que, bon, on est dans le sous-détail ici, mais vous me permettrez ce petit détail-là. Mais oui, ça s'applique à toutes les œuvres protégeables par droit d'auteur, ces licences-là, et c'est planétaire. Hein? Puis d'ailleurs, soit dit en passant, YouTube, c'est une licence planétaire, il y a des modalités comme ça. On pourrait, en fait, ce serait peut-être intéressant du point de vue théorique, de reprendre toutes les grandes plateformes, puis d'en analyser les modalités du droit d'auteur comme ça, pour avoir une compréhension de comment les géants du web réussissent à moissonner des œuvres qui, par ailleurs, n'avaient pas de valeur monétaire précise, et de créer avec ces micro-valeurs-là, de créer
fortune colossale. Mais c'est ça que YouTube fait, finalement. C'est qu'il n'y avait pas de marché pour des vidéos de chatons. Bon, il y avait peut-être America's Funniest Home Videos, puis quelqu'un qui passait ça. Mais c'est ce qu'ils ont réussi à faire, c'est d'avancer toutes ces micro-valeurs-là pour créer des fortunes. Mais c'est ça. Mais ce sont des licences volontaires parce qu'on fait le choix délibéré de placer un contenu et définir ses usages en un mot. Du coup, on peut le faire que sur des objets ou des contenus dont on est titulaire des droits. Est-ce que c'est le seul choix, le Creative Club commun? Alors, évidemment, c'est prédominant parce que c'est commode, ça marche pour les données et les contenus culturels, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres options? Mon Dieu! Oui! En fait, il y a beaucoup de gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils définissent leur propre licence. Ben, tout dépend de ce que vous voulez faire. C'est-à-dire qu'il y a un avantage certain à pouvoir rapidement expliquer ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut pas qu'il soit fait avec le contenu qu'on libère. Hein? C'est ça l'avantage. C'est que quand on dit « OK, c'est un Creative Commons, share like », bon, ça s'insère dans une logique qui est comprise dans les communautés qui vont… En fait, on bénéficie de l'expertise juridique qui a été faite pour les Creative Commons. Donc, en fait, on n'a pas à faire de travail juridique. On définit juste les usages. Exactement. En fait, je pense que si on se fait une licence maison, c'est l'usage qu'on va pouvoir faire de nos données ensuite qui va dépendre des autres, des projets qui peuvent accueillir ces données-là ou ces informations-là. Si moi, je dis, je pars avec la licence CC0, mais j'y ajoute un droit défini d'utilisation d'une durée de maximum une semaine, puis après une semaine, l'usager doit en faire la suppression, bien là, ça ne respectera pas des projets comme Wikidata ou d'autres projets qui utiliseraient une licence CC0 parce que c'est une licence maison. Comme plusieurs projets le font, moi je le vois beaucoup en photographie, des sites qui hébergent les photographies, qui disent vous devez respecter la licence de, là c'est le nom du site, puis on essaie de voir les détails de la licence, puis on les a pas, eux sont fait une licence maison, qui va dire par exemple, vous permettez qu'on réutilise et qu'on partage vos photos à l'infini, ben là c'est une licence maison qui ne serait pas compatible avec vos projets. Puis après ça, les licences génériques qui ont été définies par des groupes, il y en a plein, là. Il y a le groupe de mouvement open source, GPL, GNU, BSD, il y en a. Mais on peut littéralement prendre une feuille de papier et s'écrire une licence maintenant. Et c'est peut-être pas, parce que prenez le portail des données du gouvernement du Québec, eux recommandent Creative Commons by. Ça, c'est la recommandation du gouvernement du Québec pour des données, parce que. Pensons-y deux secondes, plus il y a de complexité, plus il y a des licences complexes, plus ça devient difficile de faire un projet, plus ça diminue l'ardeur, plus ça prend d'efforts pour s'approprier ce contenu-là. Et c'est peut-être pas ça l'objectif de ce mouvement-là, finalement. En ouverture, en compatibilité, pour favoriser les usages, pour simplifier la diffusion et la réutilisation. Ça va dans la ligne. Donc, de prendre des licences qui ont été standardisées avec tout le monde s'entend sur la même licence, mais ça permet d'aller de l'avant, etc. Juste ajouter, j'ai l'impression qu'on a fait peur un peu aux gens avec les licences maison, la complexité des licences. Mais comme Olivier disait tout à l'heure, si on s'en tient à une partie seulement, si on parle de banque de données par exemple, si on s'en tient à une partie seulement de nos données, c'est vraiment plus facile à libérer. L'exemple qui était donné des identifiants de films pour la cinémathèque, c'est quelque chose, le travail à faire d'analyse pour dire on va libérer ça n'est pas si grand à faire, puis l'impact n'est pas si dommageable, on pourrait dire, en termes d'utilisation commerciale, par exemple. Fait qu'il faut toujours sortir de l'idée de on va prendre toute notre base de données avec tout ce qu'elle contient, on va faire une analyse pour la libérer. Là, on rentre dans une beaucoup plus grande complexité, je pense, j'imagine, avec la cinémathèque, ça va s'en faire partie. Peut-être la vertu de l'identifiant unique, c'est probablement ce qui manque le plus actuellement dans le monde des muséaux institutionnels, c'est d'avoir un référent pour dire quand on parle de telle œuvre, ben c'est celle-là. Puis en fait, d'être porteur d'autorité, qui est le mandat institutionnel que les archives, musées, bibliothèques, etc. ont, ben c'est justement d'être ce mandat de dire cette œuvre-là, c'est vraiment celle-là dont on parle. Et c'est elle. Et ça, cette valeur-là, ben c'est la valeur symbolique de nos institutions. Alors uniquement de dire œuvre référent, ça c'est Comment l'ouverture des données permet justement de fournir des référentiels et de jouer ce rôle-là? Ben oui, c'est possible. Ben, si on prend l'exemple d'une fiche Wikidata, par exemple, si on prend une œuvre, mais juste le fait d'ajouter un lien à son catalogue, de dire nous, notre identifiant pour cette œuvre-là est un tel, on a fait un lien avec l'œuvre qui maintenant est en lien avec d'autres catalogues et d'autres identifiants et d'autres informations qui peuvent venir de d'autres catalogues à travers le monde. Un autre musée à Vienne a peut-être décidé d'ajouter la date de création. Une autre institution en France a décidé d'ajouter le nom de la personne qui a créé l'œuvre.
toutes ces données-là, finalement, finissent par se retrouver dans une seule fiche Wikidata qui a un identifiant unique qui permet de faire le lien avec tous les catalogues. Quand on fait des requêtes, on a l'impression de pouvoir voir, par exemple, dans quel musée se situent les œuvres de tel artiste. Et puis là, il faut le dire, les données ouvertes liées. Voilà, j'avais pas trouvé une réflexion de Joseph Plamondon, mais l'idée, c'est ça, c'est qu'une fois qu'on va mettre certaines parcelles de nos données, puis on peut les enrichir tout de suite. On peut dire, dans un premier temps, phase projet pilote, on va livrer nos référents avec les données de dépouillement. Et dans une deuxième phase, on va analyser peut-être des corpus plus précis en lien avec des thématiques où on va aller dans une direction où est-ce qu'on va enrichir certaines parties de nos collections. Ensuite, il y a différentes options, mais l'idée, c'est que ce modèle-là où on va moissonner différentes bases pour enrichir, c'est des données ouvertes. C'est ça le but. Justement, on prendra les questions juste dans 10-15 minutes. Non. Ça la question. Justement, quand on parle de données ouvertes, qu'est-ce qui permet de dire que ce sont des données ouvertes? Que toutes les licences créatives commons permettent de dire, de parler de données ouvertes? si on parle juste en termes de licences, évidemment, la plus grande ouverture serait le domaine public ou CC0. Puis les graphiques qu'on a fait tout à l'heure avec les différentes licences, souvent les gens ont tendance à le lire du bas vers le haut. Mais j'aime bien que la tuteur ait vraiment pris la peine de partir du haut pour vraiment voir comme chaque étage est un cadenas de plus qu'on met. À la licence, qui a un autre sens en termes d'accessibilité. Donc, quand on part avec le CC0, le domaine public, là, vraiment tout est ouvert, la langue est ouverte à l'utilisation, au partage, à remixer, à en faire l'usage qu'on veut. Et en diminuant, moi, je le vois vraiment comme un cadenas, ou en tout cas, on bloque un accès. Quand on parle d'ouverture, il faut vraiment voir en termes d'accessibilité. J'ajoute un nuage devant le soleil. Ouais, c'est une belle image. Mais l'idée de valve qui se ferme, plus on limite, là, c'est... Bon, après ça, où est-ce que la frontière s'insère? Mais cette conversation-là, moi, je veux dire, j'ai cet avantage-là, j'ai plus d'avantage que moi. Mais c'est haut, là, mais je peux avoir ces conversations-là sur le droit d'auteur avec différentes communautés. Quand je l'ai eu avec mes collègues dans les commissions scolaires, ben c'était vraiment l'objectif, c'est comment est-ce qu'on rend cette connaissance-là accessible aux élèves, aux jeunes de notre province. Le sentiment était là. Je l'ai aussi avec des chercheurs qui se demandent comment libérer leur savoir, comment libérer leurs articles, leurs écrits à l'université. C'est pas... Il y a beaucoup de domaines de la production scientifique, artistique, culturelle qui se posent ces questions-là en même temps. Puis là, on est vraiment en train de s'approprier le potentiel du numérique. Je pense que c'est ça qu'il faut garder en tête, c'est qu'il y a un élément vertueux de pouvoir livrer une partie, là, je le dis, là, une partie de nos données, de nos corpus en ligne selon différentes modalités pour aller récupérer, pour aller moissonner de l'attention, de l'intérêt, de l'impact, du rayonnement. Puis c'est des choses qu'on peut, mais là, il faut le définir entre nous. C'est sûr qu'il y a des grosses machines américaines là, qui le font, des grosses moissonneuses batteuses de contenu là, qui sont là puis qui attendent à la porte pour tout ramasser, où ils font une copie de tout, puis let's go. Là. Mais on peut les utiliser à bon escient, on peut les utiliser à notre avantage. La question est de savoir ce dont ils ont besoin et comment est-ce qu'on peut les nourrir à notre avantage. Puis là, on n'est plus nécessairement dans le juridique. Là. On est dans la stratégie numérique, on est rendu ailleurs dans la conversation. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le droit d'auteur, c'est le système d'exploitation générale. Et que toutes ces licences-là sont des modalités différentes pour ouvrir et fermer des valves qui vont autoriser ou interdire des choses qui sont bonnes ou mauvaises pour nous. Mais la conversation est beaucoup plus compliquée que uniquement juridique. Pour embrayer sur la question de Marina, du coup, c'est quoi le degré minimal? Parce que, une question très pragmatique, les bibliothèques européennes, par exemple, avaient pris une motion qui recommandait l'utilisation au maximum de CC BY pour des données. Est-ce que tu es du même avis? Pour un projet de données ouvertes, est-ce qu'on peut se permettre de faire du CC BY NC, non commercial? Ben, honnêtement, je l'ai dit plus tôt, moi je doute que le droit d'auteur s'applique sur des données factuelles exhaustives. Donc déjà la conversation, la question se pose pas selon moi, parce qu'on essaie d'appliquer une licence à ce qui n'est pas protégeable. Puis la question deviendrait plutôt, dans notre corpus, essayons d'identifier ce qui est original, ce qui peut être protégeable, puis comment est-ce qu'on peut la transformer à bon escient. Alors, bon, c'est sûr que je suis peut-être
un peu dogmatique là-dessus, c'est-à-dire livrer vos données factuelles exhaustives en ligne, posez pas trop la question du droit d'auteur, parce qu'au Canada, de toute façon, ça ne s'applique pas. Peut-être dans d'autres pays, surtout en Europe, oui, la question est beaucoup plus compliquée à appliquer. Mais selon moi, moi, je suis peut-être un peu plus dans la reine du débat. Moi, je suis aussi militant, je suis un disclaimer. Et la question, du coup, c'est aussi, est-ce que les institutions patrimoniales et culturelles, ils sont contraints au Québec et au Canada? En Europe, par exemple, dans le domaine de la recherche, on est obligé d'ouvrir nos données. Dans le domaine de la recherche au Canada, les conseils de recherche conjoints ont une politique de données ouvertes. Qu'est-ce qu'il en est des institutions patrimoniales et culturelles sur ces choix de licence? Mais on parlait tout à l'heure de données portail ouverte du Québec. C'est CEDAI qui est appliqué comme licence par défaut. Donc, les institutions qui veulent déposer leur licence n'ont pas le choix de respecter cette licence-là qui est appliquée à leur jeu de données. Mais ça devient incompatible avec des projets comme on présentait tout à l'heure, Wikidata. Donc, c'est un frein à l'utilisation de ces données-là de départ. Mais est-ce qu'une institution pourrait faire le choix, à ma connaissance, on pourrait appliquer deux licences, un même jeu de données. Je pense pas qu'une institution pourrait dire mon jeu de licence qui est sur la ligne ouverte, je le mets sur Wikidata CC0 par la suite. Mais j'aime ça des questions théoriques en droit, je peux en parler, des questions précises qui s'appliquent à une institution ou une organisation, je ne peux pas y répondre, moi je ne suis pas avocat, mais quand on pose des questions, oui, en fait, c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est qu'on peut dire qu'une partie de nos données vont être livrées sur une plateforme selon une licence, puis bon, là, est-ce que c'est le même jeu de données à l'identique avec une licence plus restrictive? C'est-à-dire que oui, il y a moyen de, quand on est titulaire d'un droit, on peut moduler comment ces œuvres-là, ce corpus est mobilisé selon différents intervenants. Le même contenu peut avoir différentes valeurs. Puis c'est très pertinent comme réflexion parce qu'on pourrait se dire, puis ça revient à ce que je disais plus tôt, une partie de nos données en Creative Commons 0 ou en Creative Commons by pour Wikidata. Une autre partie plus enrichie, bon, pour un réseau commercial, par exemple. Ou encore mieux, on va interagir avec une société de gestion collective pour faire un échange de données, pour faire un maillage entre nos bases. Et puis ça, ce partenariat-là pourrait avoir une incidence économique parce qu'il y a un échange monétaire qui s'implique. On pourrait réfléchir à comment est-ce qu'on peut mailler nos données avec d'autres bases. Et là, ce qui ferait fonctionnellement que le même jeu de données est particulier selon des licences différentes. Mais je pense que c'est plus pertinent de réfléchir aux relations et aux échanges qui surviendraient dans ce contexte-là. Puis quels seraient les flux monétaires, les flux de risque et les flux de données qui en résulteraient? Parce que les flux ne sont pas que monétaires, en fait. En réalité, l'ouverture des données, ça peut permettre d'avoir des effets sur les données d'une institution potentielle. J'ai l'impression que si on ouvre les données, on peut aussi bénéficier de données ouvertes. Et donc, il y a des effets d'aller-retour qui font qu'en réalité, le paradigme strictement financier ne couvre pas l'ensemble des cas d'usage. On parlait de données liées tout à l'heure, justement, juste de pouvoir les mettre en relation avec d'autres jeux de données, ça fait toute la différence. Parce que c'est là qu'on peut, par exemple, faire des requêtes, avoir des visualisations et sortir une ligne du temps, par exemple, de tout ce qui a été publié sur un sujet X qu'on a dans nos collections. Là, ça nous permet de voir l'ensemble de l'œuvre à travers les données qui ont été versées dans le projet. Ça donne une grande flexibilité, donc ça a un retour aux institutions de découvrir l'information qui est en lien avec leur collection, qui peuvent récupérer comme ça à travers la sphère des données ouvertes. Absolument. Puis c'est pour voir comment, en fait, c'est là où on peut, en libérant un noyau dur de données, qu'on peut vraiment pouvoir modéliser des nouvelles relations. Parce que selon moi, la valeur réelle d'un jeu de données, c'est pas dans l'entièreté de ce jeu. On n'est pas capable de les monétiser, mais c'est peut-être une raison. Peut-être que par abonnement, certaines institutions seraient capables de le faire. Mais avec qui est-ce qu'on peut créer des... Et quelle sorte de relation peut ressortir? Quelle sorte de valeur est-ce qu'on peut imaginer quand on fait un lien entre deux bases de données? Alors là, je pense qu'on est vraiment dans la valeur. Et si on veut comprendre l'intérêt des jeux, des initiatives en données ouvertes liées, c'est vraiment là. C'est de voir avec qui est-ce qu'on peut créer nos données pour aller chercher une plus de valeur. Et de voir justement dans nos opérations, dans nos missions, comment est-ce qu'on peut aller récupérer des partenariats stratégiques intéressants. Selon moi, ça passe en libérer ces données factuelles, exhaustives dans un premier temps, pour essayer de voir avec qui est-ce qu'on peut les libérer.
les sociétés de gestion collective semblent une bonne piste à explorer par rapport à ça pour bonifier. Je ne vais pas parler des chaînes de blocs, mais c'est ça. Juste donner pour un exemple concret, très rapide d'utilisation des données. Dans Wikidata, il y a des outils de visualisation qui permettent, par exemple, de faire un lien du temps. Ici, c'est les prix Nobel de chimie, je crois. Toutes ces informations-là proviennent de données qui viennent un peu partout à travers le monde, de contributeurs ou d'institutions qui ajoutent des données. Puis là, ben, ça permettrait, par exemple, si on cliquait sur une fiche, d'avoir l'élément Wikidata qui va rassembler les données factuelles donc, qui ont été récoltées ici pour. Ça va aller de date de naissance, couleur des yeux, couleur des cheveux. Ça peut permettre d'aller dans le cas des personnalités très très loin, de savoir quelles sont les épouses conjointes de présidents des États-Unis qui mesuraient plus de 5 pieds 5. Donc, on peut, mais dans le cadre des institutions culturelles ou de savoir, on peut imaginer par exemple avoir une ligne du temps d'institution universitaire, de professeur, selon le type de recherche ou le type d'étude. Biographie, les scans, des papiers, des notes, toutes sortes de trucs. Là, après ça, là, le web, quand on lance certains éléments dans le web, là, ça se lit, ça se bonifie. Donc, simplement pour résumer depuis le début, donc, on a vu, il faut déjà de débat, c'est de savoir si on a les droits, donc comment on détermine qu'on a les droits sur nos contenus, comment on détermine ça. Ensuite, comment on peut les rendre accessibles, à quelles conditions on les rend accessibles, comment on permet aux utilisateurs de les rediffuser éventuellement. Donc tout ça, c'est dans le cadre du droit d'auteur. Je me demande ce qu'on dit qu'une licence créative commune entre dans le contexte du droit d'auteur, c'est pas quelque chose qui est à côté du droit d'auteur. Est-ce que, par contre, qui a plus de droit d'auteur, c'est le domaine public, est-ce que simplement pour conclure, tu pourrais nous parler un petit peu du domaine public au Canada? Oui, alors. Il faut distinguer, en anglais, j'aime beaucoup la distinction entre public domain et public record. Le domaine public en droit d'auteur, c'est lorsque le droit d'auteur cesse d'exister. Donc, on parle de 50 ans après la mort d'une autrice ou d'un auteur, par exemple. Donc, à ce moment-là, il n'y a plus de droit d'auteur. Alors, quand on attend ces 50 ans plus la fin de l'année en cours, merci, c'est la carte des pays selon la durée de leur droit d'auteur. Et puis, encore, le Canada est à 50 ans après la mort de la créatrice créateur. Et puis là, on s'est engagé avec les États-Unis d'amener ça à 70 ans dans le traité commercial, qui n'est pas encore signé sur le 100%, donc on attend. Ouais, mais non, mais on attend, puis bon. Alors là, la question devient, est-ce que c'est vraiment 100% des droits s'appliquent jusqu'à la fin de ce terme-là, et pouf, on tombe dans le domaine public? Est-ce que le droit s'étiole avec le temps? Quelle est la relation réelle entre le temps et la force du droit? C'est une question théorique très intéressante. C'est sûr qu'on a moins tendance à vouloir pousser la question au Québec parce qu'on veut vraiment respecter le droit des créatrices et des créateurs. Mais il y a quand même un effet collatéral, je pense, à ce moment-là de ne pas vouloir pousser la question parce qu'on souffre de découvrabilité, de visibilité. Et j'ai l'impression, en tout cas, j'ai une puce à l'oreille qui me dit que peut-être si on poussait un peu plus les institutions patrimoniales en disant « Écoutez, là, le droit d'auteur, c'est super important, on va commencer à mettre du contenu en ligne, on va commencer à livrer du contenu parce que justement, on a ce problème de visibilité-là, on veut exister en ligne, on veut être présent. Donc, peut-être c'est le temps d'avoir un cadre un peu plus flexible par rapport à l'évolution du droit d'auteur à travers le temps jusqu'à l'émergence du domaine public. Mais en droit d'auteur, le domaine public, c'est ce moment précis où le droit cesse d'exister qui est lié à la fin de la vie de la créatrice. Est-ce que le fait de. La question se pose souvent, est-ce que le fait de numériser une œuvre dans le domaine public, est-ce que si une institution numérise une œuvre dans le domaine public, elle peut s'attribuer des droits sur la numérisation? La question est très pertinente. Alors, ce qu'il faut se demander fonctionnellement dans la loi sur le droit d'auteur, c'est est-ce qu'il y a un travail original? Le concept d'originalité est central pour voir si un droit d'auteur émerge. Alors, a priori, à première vue, si on ne fait qu'une reproduction homéostatique, identique à l'original, pareil, est-ce qu'il y a un travail intellectuel, un effort? Il y a trois critères dans la loi, j'en parle rapidement dans le rapport. Moi, j'ai tendance à
à voir difficilement qu'un droit d'auteur peut survenir sur une œuvre du domaine public qui est numérisée par une institution patrimoniale. D'ailleurs, je suis très, très fâché quand je vois que des institutions mettent la mention droit d'auteur, mon institution, virgule, année de numérisation. Je trouve ça troublant par rapport à les droits de citoyens numériques. Ça, c'est compliqué. Du point de vue juridique, je poserais la question. Quel est l'apport en originalité de la part de l'institution dans le travail de numérisation qui confère un nouveau droit d'auteur? Et puis la réponse est, bien, trouvez-le. Parce que vous pouvez prétendre avoir un droit d'auteur, mais moi je suis en désaccord. Je me réserve le droit de vous ignorer. Institution patrimoniale, c'est pas une bonne chose, ça, dans le débat en cours, quand on ignore une mention de droit. Ça érode la légitimité de nos institutions. Alors, je vais mentionner ça rapidement. Donc, ma réponse est, je suis douteux. Je peux voir qu'il y a peut-être un cas à bâtir. Je peux voir que c'est pertinent quand on est un gestionnaire dirigeant de fonds publics de vouloir dire qu'on génère la propriété assez pour ses patrons. C'est chouette, mais c'est probablement une très mauvaise idée et contre le droit. Merci, c'est bon. Merci à vous deux. On va laisser la parole s'il y a des questions à la salle. Allô, bonjour tout le monde. Mon nom est Guillaume Desiès. Comme c'est une activité de rencontre professionnelle et de réseautage, j'en profite pour dire ce que je fais. Je me nomme Guillaume Desiès, je travaille sur un projet qui s'appelle smartsprint.org qui a reçu $500,000 du Conseil des arts du Canada en vue de faire une plateforme qui aide les créateurs, les artistes en musique à partager adéquatement les droits entre eux et à bien documenter les métadonnées sur leurs œuvres. Nous considérons que l'argent public devrait générer de la valeur publique. Voilà pourquoi nos lignes de code sont en code source ouverte. Et donc, nous générons aussi des données ouvertes et libres. Ce qui m'amène à faire un commentaire avant de poser ma question. Je trouve ça intéressant de voir qu'au Canada, il n'y a pas possibilité qu'il y ait un droit d'auteur sur les données. Mais en même temps, je trouve ça sexy. Sur un fait exhaustif. Voilà. Mais en même temps, je trouve ça marketingement sexy et c'est quasiment un acte, de se positionner, d'exprimer sa pensée, que de volontairement décider de les mettre sous licence Creative Commons et de dire allez-y, servez-vous, que ce soit en CC0 ou en CC BY. Pardon? Si c'est possible dans certains pays. Et donc, je trouve ça, donc j'aurais tendance à dire, c'est pas parce qu'on veut pas le faire qu'on ne doit pas le faire. Parce que ça a le mérite de passer un message à nos collègues autour, de dire, je le fais. Il y a quelque chose de militantiste dans tout ça. Ensuite de ça, ma question, en fait, c'est, puisque nous, de notre côté, on travaille à saisir de données sur les œuvres, et donc, évidemment, il y a différents contenus, il y a du droit d'auteur. Il y a de la confidentialité sur le droit d'auteur, c'est-à-dire le pourcentage de split là, entre un parolier et ça. Donc, le niveau de confidentialité d'information, c'est une chose, mais dans certains cas, savoir que telle personne a joué la guitare électrique sur telle chanson devient de la métadonnée liée à l'œuvre et dans certains cas, même le texte de la chanson pourrait être considéré par le créateur comme de la métadonnée sur l'œuvre. Absolument d'accord. Et donc, ça revient au créateur de décider s'il en prend de la métadonnée ou s'il conserve dans son statut d'œuvre protégée par le droit d'auteur et doit être absolument monétisé après avoir bien sûr demandé la permission au créateur. Bref, ça pour dire qu'à un moment donné, il y a plein de petits bouts, nous autres, dans notre flou, là, quand l'utilisateur passe au travers, il y a plein de petits bouts d'informations qu'on peut en arriver à mettre la switch à on ou à off sur à quel niveau d'ailleurs. Ces données-là sont disponibles. Ma question, vu qu'on veut mettre ça dans le web sémantique, en données ouvertes et liées, qu'on veut mettre ça dans une certaine ontologie, puis qu'on veut faire pointer ces données-là vers des autorités, est-ce qu'il existe des URI pour chacune des licences Creative Commons? C'était ça ma question. Ben, si ça existe, on va le faire pointer dessus. Merci. Oui. Si je ne l'abuse, parce que c'est des déclarations RTF qui ont des versions, mais qui sont
dans l'espace naturel. Je ne sais pas s'ils ont une autorité ministérielle, mais il faudrait vérifier. Oui, c'est conçu effectivement dans le système amiable. C'est renversant. Elles permettent effectivement de disposer de références qui sont pointables. Ce n'est peut-être pas le cas de toutes les licences libres, hein, parce que vous avez les licences gouvernementales et d'autres produits. Donc, mais je pose la question rapidement. Si je fais pointer, genre, une toune, okay, en disant qu'elle est sous licence Creative Commons de type BY, pour les yeux sur le web, c'est facile. Pour Google, qui a des algorithmes pour comprendre ce qui est écrit pour les yeux sur le web, c'est facile aussi. Mais pour le commun des mortels, d'arriver de comprendre que c'est effectivement ou n'importe quelle machine, de comprendre qu'il s'agit de la mise à disposition de cette œuvre-là, il s'agit bien de ce type de licence-là, et auquel cas je comprends déjà c'est quoi mes droits en tant que machine pour pouvoir servir ou pas l'information. Donc, est-ce qu'on est rendu assez loin comme ça ou ça reste oui, tout à fait, mais ça dépend de votre ontologie. Donc, en fait, ça dépend du modèle de métadonnées que vous allez utiliser, et c'est lui qui embarquera l'information de description. Donc, les droits sont définis par l'ontologie. Vous pouvez utiliser du simple Dublin Core, qui est un modèle de description très basique, pour mentionner des droits de manière explicite, en RDF. Et c'est des données libres. Après, si vous avez une ontologie que vous développez, que vous concevez pour le cadre de votre projet, que vous adoptez à l'échelle internationale, il y a probablement déjà ce genre de mécanismes qui sont prévus. Marianne Gagnon, conservatrice au MEM de l'Université de Montréal, dans la Université de Montréal. Je me demandais, j'ai eu une petite question et une demande. Le BY, c'est quoi la limite du BY en fait? Est-ce que c'est seulement le nom de la personne? Ça peut être le nom de la personne, l'institution? Nous, on a une ligne très longue comme ça. On a le nom de l'employé, après ça, la diffusion, le service et la différence à la ville de Montréal. Mais c'est quoi la limite de ça? Est-ce qu'on met aussi le lieu? Si c'est un chercheur, par exemple, à l'Université de Montréal, est-ce qu'on met le nom de la personne, l'Université de Montréal, la ville de Montréal, Québec, Canada? Ça. Puis ma deuxième question serait, moi, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est éventuellement la mise en ligne de notre catalogue avec les œuvres numériques elles-mêmes consultables à l'intérieur. On a, par exemple, des témoignages, des entrevues, des histoires orales, on a des photos, on a... des documents papier qu'on pourrait numériser, on a différents aspects juridiques à ces différents documents-là. Par exemple, les témoignages, les personnes conservent leur copyright sur ces documents-là et on ne voudrait pas, par exemple, qu'ils soient utilisés pour des fins commerciales. Est-ce que c'est possible dans une même base de données que nous, on diffuserait sur notre site web, par exemple, de mettre des licences différentes? La réponse est oui. Non, il y a beaucoup d'éléments dans vos questions. La question du CC BY, comment définir la donnée qu'on met dans ce champ-là, c'est une règle de catalogage qui pourrait juste déterminer quel champ on mettrait là-dedans. Là-dessus, j'ai moins d'opinion. Il y a probablement un aspect juridique clair à déterminer la titularité. Il faudrait voir. Parce qu'il y a une différence entre la création et être titulaire d'un droit. Ça se peut que ça soit... Donc là, on tombe dans qu'est-ce qu'on veut mettre exactement dans cette attribution-là, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça représente symboliquement, mais aussi juridiquement. Donc, ça là-dessus, il y a quand même un aspect, une nuance importante à apporter, mais c'est pas uniquement, ah, ben, mettez ce que vous voulez. Non, mais il faut voir, OK? L'autre aspect, oui, ça se peut que chacun des éléments dans votre base, dans votre collection, ait des paramètres juridiques différents. Puis c'est là où la représentation de cette situation juridique pour chaque objet, pour chaque élément dans votre collection, puis même à l'intérieur d'un objet, ça se peut qu'un sous-objet ait des valeurs juridiques différentes. C'est complètement possible. On est dans ce paradigme-là en ce moment. Puis l'exemple de l'histoire orale est pertinent. On ressent l'histoire orale à l'Université Concordia. Les gens témoignent devant un micro. Bon, mais là, moi, je le fais en public, puis on m'a avisé que ça allait être livré sur Internet. J'ai donné mon consentement pour les usages privés. Puis c'est peut-être quelque chose qu'on n'a pas encore assez fait, mais c'est de réfléchir au cycle de vie. L'avantage d'être bibliothécaire archiviste, c'est qu'on peut réfléchir pour l'éternité. C'est ça notre horizon temporel, et je vous laisse là. Parce que, tu sais, la question de mes paroles de musique, éventuellement, vont être dans le domaine public, ces paroles-là.
Fait que moi, je les veux. Oui, ça, il faut qu'elles soient dans un système. Si t'es là, cool, parce que sauf qu'on flag la date de naissance de ces personnes-là, parce qu'à un moment donné, ils vont mourir 50 ans plus tard, mais ça va être dans le domaine du Canada. Puis 20 ans plus tard, ça va être au Mexique. Puis 20 ans plus tard, ça va être au Mexique. C'est ça l'idée, là. C'est que là, on est rendu dans la forme de formaliser ces règles-là. Alors, la question à savoir, comment est-ce qu'on représente tout ça, les méthodes données, qu'est-ce qu'on fait? C'est un gros mélange. C'est un beau travail, surtout pour du rétrospectif qu'on n'a pas géré de cette façon. Fait qu'elle vient de où, ce document-là? Qu'est-ce qu'on fait avec? Comment est-ce qu'on le modélise? C'est du beau travail. Je voudrais quand même vous préciser que le CCBA, fondamentalement, pose quand même des problèmes pour partager des données parce que c'est difficile d'aller citer l'ensemble de la notice. Et donc, généralement, les institutions vont adopter cette solution en Europe et en réalité se retrouvent avec des données agrégées dans des grandes plateformes. Ce n'est pas forcément la meilleure stratégie, mais la mention de la provenance du musée peut suffire à retrouver la source de la notice. Donc, faut pas non plus être complètement inquiet de ces questions de mention en détail des contributions à une notice. À partir du moment où vous partagez vos données, c'est vous qui faites référence. Donc, c'est vos données qui font autorité. Wikidata fonctionne vraiment sur ce modèle-là. Utilise les références et les mentions. Donc, vous ne perdez pas votre information. On va prendre une dernière question. Oui. Je travaille à BLQ. Puis, en fait, ma question, c'est dans le cadre d'un projet, on va fédérer nos fichiers d'autorité avec les universités pour créer ce qui va être Canadiana, qui va être donc un bassin d'autorité créé par diverses entités. La question, là, on a peut-être un petit bras de fer avec nos collègues à la Bibliothèque et Archives Canada, c'est que leurs avocats ont déclaré que les dates de naissance, c'était confidentiel. Donc, on ne peut pas, non seulement on ne peut pas partager ces données-là, mais pour ceux d'entre vous qui sont à la Bibliothèque et à la vous savez qu'on utilise ça dans les points d'accès pour différencier les personnes. Donc, c'est vraiment pour nous quelque chose de vraiment difficile à s'entendre avec eux. Alors, est-ce que vous avez des conseils à donner à BNQ sur comment gérer? Si la BNQ veut contribuer à ICNI, elle se rendra compte que la date d'existence fait partie des informations fournies pour ICNI, pour les identifiants uniques des personnes. Or, c'est actuellement le cas. Et par ailleurs, ces dates d'existence, en fait, on peut aussi les moduler en fonction de la date de naissance des individus. Non, c'est l'inverse. Oui. Non, parce que quand quelqu'un est mort depuis très longtemps, il n'y a pas de question de confidentialité. C'est pour la date de naissance. Pour la date de naissance. Ça concerne les vivants. On peut éventuellement arguer que c'est une question de confidentialité. Et après, en pratique, dans l'ISNI, vous les avez déjà. Dans le catalogue de la Bibliothèque nationale de France, elles y sont toutes. Alors après, si on ne veut pas avoir les dates de naissance des Québécois, c'est notre choix. Mais l'opinion de nos amis à Marc, peut-être qu'on pourrait demander à la Commission d'accès à l'information ou une autre entité de ce genre de se questionner, parce qu'ils reçoivent des requêtes de la communauté pour statuer sur le statut juridique d'information. Et on pourrait prétendre que ce n'est pas complètement anecdotique de vouloir avoir l'année de naissance d'une autrice pour pouvoir, entre autres, partager le corpus documentaire, mais aussi pour pouvoir témoigner de l'époque dans laquelle l'œuvre a été écrite. Donc, ce n'est pas complètement absurde de vouloir. C'est une pratique qui est acceptée dans le domaine littéraire, c'est ce que certaines personnes ici proposent, parce qu'on peut savoir exactement l'âge d'une personne, mais d'un autre côté, ce n'est pas la date de naissance à proprement parler. Donc, peut-être que la solution dans ce contexte-là, ce serait d'avoir un avis juridique du commission, soit la commission de la vie privée au fédéral ou la commission d'accès à l'information au provincial pour déterminer quel serait le statut juridique dans ce contexte-là, parce que c'est leur travail de faire ça. Donc on pourrait saisir ce tribunal spécialisé de cette question pour en avoir le catalogue. En provenance, si vous avez l'information dans le catalogue, c'est que l'information était publique. Oui, c'est que l'information est déjà publique en fait. Surtout qu'on reste dans VIAF, c'est déjà dans VIAF. En fait, je ne sais même pas comment ils vont faire, parce que partage aussi leurs données avec NACO, mais si elle sait. Quand c'est sur Internet, ça va se faire. C'est ça, je ne pense pas que BAC va réussir à faire reculer NACO là-dessus. Donc, je ne sais pas trop comment, mais pour nous, c'est qu'ils sont vraiment assez fermes sur le fait que
voudrait qu'on retire ces éléments de données-là? J'imagine que c'est dans l'usage. Il y a une analyse qui a été faite, j'imagine, dans l'usage. On est fait par le Pierre Bouchard au Québec. Il y en a vraiment beaucoup. Assez peu de patronymes, donc ça devient vraiment problématique pour nous distinguer tous ces gens-là pour donner une espèce de melting pot. Donc, on a vraiment besoin de ces éléments-là. Mais il y a moyen de saisir une entité, puis en fait, de pointer vers ce que les gens font à l'international, historique, machin, mais ça prend une aide juridique qui va dépasser le cadre simple de gouvernance de PLC. Moi, je dirais, il y a des entités qui font ce genre de travail-là au Canada. Merci beaucoup pour cette table ronde et pour cette discussion. Donc, on va passer à la présentation de BNQ sur le rail stabilité. Il a notamment co-rédigé le livre « La mesure d'un continent » ainsi que plusieurs articles sur l'histoire de la cartographie en Nouvelle-France. Je présente également William Franklin Richard, qui œuvre à titre d'avocat à BAMQ. Il conseille le personnel en matière de droit d'auteur, d'accès à l'information, de protection des renseignements personnels, de droit public et de droit contractuel. Il va nous présenter le projet qu'a réalisé récemment BAMQ sur les droits d'auteur. Bonsoir à tous. Bien, je suis très content parce que Olivier Charbonneau a vraiment bien mis la table pour la présentation. On a tout fait ce qu'il a dit à la bibliothèque. Alors, c'est un projet sur lequel on travaille depuis quelques années et qui est rendu visible depuis 2019 au public. Et on est très content, en fait, de le présenter. Ceux qui étaient au congrès des professionnels de l'information vont reprendre la même présentation qu'on a déjà faite à l'automne dernier, mais je pense qu'il y en a plusieurs qui n'y étaient pas, donc je crois que ça vaut la peine de vous présenter l'initiative ici. Il y a plusieurs questions qui ont été posées, vraiment qui touchent le projet, notre projet à BNQ. Mais tout d'abord, un site que vous connaissez probablement, BNQ numérique, on l'a vu comme un site incontournable pour ceux et celles qui s'intéressent à l'histoire et à la culture du Québec. Donc, on a vraiment des centaines de milliers de documents qui sont numérisés. On numérise depuis plus de 20 ans des documents. Donc, c'est ce qui explique la qualité de numérisation variable dans l'outil. Beaucoup d'utilisateurs, probablement plusieurs d'entre vous. BNQ numérique, ça comprend à la fois des documents qu'on numérise, mais aussi des ressources externes. Qu'on amalgame, si on veut, qui sont accessibles via BNQ numérique. Évidemment, on a toute une équipe de bibliothécaires, d'archivistes là, qui accompagnent les chercheurs qui sont intéressés par les contenus de BNQ. Ah oui, j'oublie un point important aussi, c'est à la fois ce qu'on numérise comme document, mais aussi ce qui est déjà né numérique et qui est versé à BNQ. Alors, un gros problème qu'on avait, c'était la variété des statuts quant aux droits d'auteur dans les collections numériques. Et ça, bon, on a réussi à vivre avec cette variété-là pendant quand même plusieurs années, mais ça commençait vraiment à nous ennuyer. Variété de statuts, là, je ne vais pas rentrer dans les détails, là, mais vous pouvez avoir à la fois des documents qui étaient évidemment deux grandes catégories, soit que c'était protégé par le droit d'auteur ou que c'était des documents qui étaient libres de droit du domaine public. Même aussi, on a des documents pour lesquels, en fait, protégés par le droit d'auteur, pour lesquels on avait fait libérer des droits. Parfois aussi, du côté, surtout des fonds d'archives, au moment d'un versement de fonds d'archives, on obtenait des droits liés à ces documents-là et avec des contrats d'acquisition qui ont varié dans le temps. Donc, ce qui complexifie un peu la chose quand on regarde les documents, et c'est surtout la question qu'on se la pose quand les usagers viennent nous voir et nous disent « Bon, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ce document-là? Est-ce qu'on peut le reproduire pour tel ou tel usage? » Et les usages, ils sont multiples, comme vous pouvez le voir à l'écran, où on en a énuméré plusieurs catégories, que ce soit dans le milieu scolaire, universitaire, des diffusions sur Internet, à la télévision, des panneaux d'interprétation. Donc, c'est
C'est vraiment multiple. Vous avez un Bixi en bas à droite avec une reproduction d'une carte géographique sur le Bixi. Donc, c'est extrêmement varié, les usages qu'on peut faire des documents qui sont numérisés dans nos collections. Et ce qu'on avait comme condition jusqu'à tout récemment, c'est ce qui est à l'écran. Alors, on autorisait à des fins éducatives, d'études privées ou de recherche. Et en fait, on obligeait les usagers à nous contacter pour toute autre utilisation. Et ça aussi, ça nous ennuyait. Et ça ennuyait évidemment ceux aussi qui voulaient réutiliser les documents. On avait un délai de traitement annoncé là, de 15 jours ouvrables. Et bon, plusieurs usagers ont des besoins assez pressants, que je pense aux journalistes, par exemple. Donc, ces constats, c'est ce qu'on jugeait, bon, une lourdeur administrative, le délai d'attente qui était ennuyeux pour les usagers. Et aussi, il y avait cette question de la position institutionnelle par rapport aux documents qui sont du domaine public et qu'on numérisait. Est-ce que, ben, on s'est posé exactement cette même question qui a été posée, à savoir, est-ce qu'on peut s'approprier un droit sur ces documents-là? Et donc, finalement, on a statué, on est revenu sur une position qu'on avait antérieurement. Et M. Roy a fait cette annonce au printemps pour dire vraiment, ce qui est du domaine public, c'est du domaine public, on veut que ça soit réutilisé, allez-y, etc. Et on a fait au même moment cette annonce en disant, c'est pas évident de repérer ces documents qui sont du domaine public parce que c'était pas affiché dans nos outils de diffusion. Mais on a annoncé qu'on allait le faire, et c'est ce qu'on a fait à l'automne. Voilà. Donc, je poursuis. Ce qu'on a utilisé, ce sont les licences Creative Commons, que vous connaissez bien maintenant. Mais aussi, en fait, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on peut utiliser les licences Creative Commons quand on n'a pas les droits sur les documents? Ce qui ne fait pas tellement de sens. Et les bibliothécaires se sont posé ces questions-là il y a déjà quelques années, d'où a émergé, en fond, l'initiative Rights Statement. Alors, moi, j'ai découvert ça il y a probablement 4 ou 5 ans dans un colloque américain. Et c'est une initiative conjointe de l'EPLA, Digital Public Library of America, et Europeana, qui a travaillé là-dessus avec l'aide de Creative Commons, notamment. Alors, vous avez, donc à droite, si vous connaissez bien les différents niveaux des licences Creative Commons, sur la gauche, c'est quelques-uns des statements, des mentions de droit, énoncés de droit que nous utilisons. Donc, voilà. Est-ce que c'est maintenant que je passe la parole à William ou... oui? Ben, ouais, peut-être. Ouais. Est-ce que ça marche ou... des Creative Commons, parce que je pense que ça a été abordé. Normalement, on en parlait plus, mais là, je pense que la table est bien mise. On aurait utilisé le même tableau qui est très bon, c'est très facile à comprendre. On a même cité les Creative Commons. À gauche, c'est plutôt certaines des déclarations de droit qui sont utilisées par les Rights Statements. Il y en a plus. Nous, on en a identifié certaines qui sont utiles pour nos collections. La différence entre les Rights Statements et les licences, la principale différence, c'est que les Rights Statements, ce ne sont pas des licences. C'est plutôt une déclaration de droit. On informe les gens sur les droits, mais on ne donne pas de permission comme une licence le ferait. C'est utile pour BNQ, puisqu'il y a des éléments dans les collections, les œuvres, pour lesquelles on n'a pas les droits, on n'a pas les licences. On peut voir des exemples plus tard. Mais ça peut être par exemple une œuvre où on ne trouve pas le titulaire des droits, après avoir fait toutes les recherches. Et la question se pose, est-ce que, puisqu'on ne trouve pas le titulaire des droits, est-ce qu'on décide de ne pas la diffuser, ou est-ce qu'on la diffuse quand même avec cette mention de droit-là? Éventuellement, on va peut-être obtenir de l'information via le public, et l'œuvre est diffusée, donc le public en bénéficie. Donc, il y a plusieurs des mentions de droit, des Rights Statements qui sont très utiles pour une institution culturelle comme BNQ. Je peux faire chaud.
un premier exemple d'une œuvre pour laquelle on a utilisé les Creative Commons. Je pense que c'était Olivier qui disait ça, pour nous, la première chose qui doit être faite, c'est de regarder quel droit on a sur l'œuvre. À BNQ, évidemment, c'est pour la plupart des licences. Les licences peuvent se retrouver dans des ententes qu'on a signées avec des donateurs. Ça peut être des licences qui ont été signées parce qu'on voulait faire libérer les droits. Mais ce qui est important, finalement, c'est d'aller voir dans la licence qu'est-ce qu'on peut faire avec l'œuvre. Lorsqu'on utilise les Creative Commons, il faut qu'on s'assure que dans les licences qu'on a, on a une permission de nous-mêmes donner des licences aux usagers. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la plupart de nos conventions à l'INQ, on va avoir à la fois, donc, nous, l'autorisation de diffuser de l'œuvre, de l'utiliser d'une certaine manière, mais on va également obtenir une autorisation de permettre aux usagers de faire telle et telle chose avec l'œuvre. On a décidé, il y avait une question qui avait été posée, pourquoi les Creative Commons et pas d'autres types de licences. Tout simplement parce que c'est celles-là qui sont les plus utilisées à travers le monde, qui ont plus de visibilité, qui sont les plus développées. Donc, à notre avis, c'était l'outil le plus intéressant à utiliser. Il n'y en avait pas d'autres qui étaient aussi connus. Donc, ça fait facile l'utilisation pour les usagers qui connaissent déjà ces licences-là. Pour nous, on aurait pu effectivement décider d'en créer des nouvelles, mais ça vient avec le travail. Il faut les créer. C'est plus difficile pour les usagers aussi qui ne connaissent pas nécessairement nos licences, mais qui connaissent déjà les licences des Creative Commons. Donc, c'était plus facile pour nous autres d'utiliser ces licences-là. Ça, c'est un exemple d'une œuvre qu'on a dans nos collections. Tout simplement, pour nous, il faut aller voir dans la convention quelles sont les permissions. C'est une œuvre pour laquelle on avait les permissions de permettre aux usagers de l'utiliser, mais d'une manière non commerciale, et les usagers ne peuvent pas faire de modification de l'œuvre. C'est un premier exemple. J'en reviendrai pas beaucoup en Creative Commons. Je pense que c'était plutôt le Right Statement qui avait créé l'intérêt pour notre présentation. Avec les Right Statements. Donc, les Right Statements ont 12 mentions standardisées. Sont séparées tout simplement avec les protections, donc les œuvres sont protégées par l'auteur, celles qui ne le sont pas, et puis d'autres catégories comme titulaire introuvable qu'on va voir. On a un exemple ici d'une œuvre de René Dorgoin que nous avons dans nos collections. Si on a utilisé cette mention de droit-là, c'est parce qu'on n'a pas la permission d'autoriser les usagers à utiliser l'œuvre. On va avoir dans les permissions de diffuser l'œuvre. Donc, on a une licence, nous, pour la mettre sur Internet, la diffuser. Par contre, on ne peut pas donner de licence Creative Commons. On ne peut pas vous dire « vous pouvez faire telle chose avec ». Si vous voulez l'utiliser, vous devez aller voir l'auteur. Et c'est ce que ça dit, cette mention-là. Donc, ce n'est pas une licence. On vient vous informer. Cette œuvre-là est protégée par vos auteurs. Si vous voulez l'utiliser, allez voir le titulaire des droits. Et c'est plus rapide pour l'usager parce qu'il va comprendre que même s'il vient nous voir, nous, on va être obligé de lui dire « Nous n'avons pas les droits, vous devez aller voir le titulaire des droits. » Donc, il y a un gain de temps pour tout le monde, finalement. Deuxième exemple, une affiche des années 70. Qui est dans la collection, je pense, qui est gérée par Jean-François. C'est un exemple d'œuvre pour laquelle, après avoir fait des recherches sérieuses, on n'arrive pas à trouver qui sont les titulaires des droits. Dans ce cas-là, comme je le disais, cette mention de droit-là va permettre de diffuser quand même l'œuvre en mettant cette mention-là au lieu de la laisser dans nos collections sans que personne puisse la voir. Évidemment, s'il y a un titulaire des droits qui communique avec nous pour nous dire « Écoutez, j'ai les droits », à ce moment-là, effectivement, on va changer le statut ou il va y avoir une entente avec le titulaire des droits. Donc, ça permet de faire une diffusion de l'œuvre. Excuse-moi, mais j'allais juste peut-être apporter un petit nuance.
Le right statement, ce qui est important de savoir, c'est que ça se rapporte uniquement à l'œuvre numérique. Ça, c'est pour les contenus en ligne. Donc, par exemple, l'estampe, nous, on a les droits sur une épreuve en particulier. La licence apporte sur une épreuve en particulier de cette estampe-là. Ça, c'est la licence. Maintenant, ce qu'on on affiche aux usagers, ça, ça s'applique vraiment à la copie numérique, pas à l'œuvre qu'on a dans notre tiroir à DRP nécessairement. Donc, il y a comme une nuance. On ne pourrait pas utiliser, par exemple, les right statements pour commencer à faire des affichages dans tout le catalogue, même sur nos notices qui réfèrent à des documents papier, par exemple. C'est vraiment qu'est-ce que les gens, une fois qu'ils ont cette image-là, qu'ils peuvent l'ouvrir, qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec. Je ne suis pas sûr de la distinction pour cette œuvre-là en question, mais. La licence est sur les modèles numériques. C'est ça. Pas sur l'œuvre originale. Au niveau des mentions de droit, pour celle-là? Oui. Les gens ne peuvent pas arriver, par exemple, dire ah, ben, on a les droits de numérisation là-dessus, je veux voir l'original, je vais faire ma propre copie. C'est pas ça. C'est vraiment sur l'objet numérique que portent les rights. Uniquement. Je pense qu'on pourrait avoir un débat là-dessus, mais sans parler. Parce que l'analyse elle est faite sur l'œuvre en tant que telle. Parce que c'est pas sur la couche d'une création qu'on nous disait une numérisation qui va créer une autre couche de droit d'auteur sur l'œuvre en tant que telle. Mais c'est des standardized rights statements for online cultural heritage. Mais je pense que le point à garder ici pour que la conversation continue, c'est qu'il y a une distinction entre du point de vue de l'institution, un droit qu'on a sur l'objet, peu importe ses versions. Et oui, mais est-ce qu'on peut autoriser des tiers? C'est ça la distinction, je pense, qui est importante avec le right statement. C'est que, par exemple, quand on va sur YouTube, nous, ça arrive fréquemment à l'université, les gens veulent utiliser YouTube dans la cadre des bains d'éducation. On regarde la licence YouTube, c'est pas mentionné. C'est silencieux sur la question de l'utilisation pédagogique. Puis si on contacte YouTube, quelqu'un le fait, mais. YouTube ne va pas t'autoriser à le faire. C'est à toi de déterminer comment te donner les droits. Je pense que c'est ça la distinction, plutôt que est-ce que c'est numérique ou pas numérique, c'est plutôt le droit de l'institution par rapport à l'objet, puis ce qu'on peut autoriser à le faire. Moi, je le pense. C'est ça que. Moi, je suis désolé de comprendre ce que tu essaies de dire. C'est toi, tu dis il y a une couche, on évalue le droit d'auteur sur la numérisation de l'œuvre. Parce que c'est ça. Une fois qu'un produit numérique, le right statement s'applique sur le produit numérique. Mais c'est l'œuvre en tant que telle. C'est une analyse de l'œuvre. Donc là, on a déterminé que cette œuvre, après une recherche, sont introuvables pour le numérique, sont introuvables pour le physique aussi. Oui, exactement, ça change rien. C'est-à-dire, j'aurais pu venir ici, OK, et prendre. C'est sûr que là, on est dans le numérique. On est dans la diffusion numérique, on est sur le net. Mais on aurait pu apporter l'œuvre ici, qu'on a dans les collections, et avoir le même discours. Le discours porte sur vraiment le statut du droit d'auteur de cette œuvre-là. Donc, c'est une œuvre protégée, premièrement. Parce qu'au niveau des années, on est capable de savoir que c'est peu probable que les auteurs soient morts depuis plus de 50 ans. Ensuite, après avoir fait des recherches, on a cherché, on a essayé de trouver les auteurs, s'ils sont en vie, sont où, etc., de retracer. On n'arrive pas à retracer les auteurs pour éventuellement leur demander le droit de diffuser l'œuvre ou de faire autre chose avec. Donc, on parle vraiment de l'œuvre en tant que telle, on ne parle pas de la numérisation de l'œuvre, parce que ça, c'est le débat avec. On a parlé un petit peu du débat tout à l'heure lors de l'autre présentation, puis ce que BMQ a décidé cette année ou l'année dernière, c'est justement de ne pas prendre cette position-là, de dire qu'une numérisation d'une œuvre, créer une nouvelle couche de droit, et à ce moment-là, nous, on est propriétaire des droits d'auteur sur la numérisation de l'œuvre. Il y a des institutions qui ont pris cette position-là. BNQ était ambivalente jusqu'à récemment pour des questions d'argent. En fait, la plupart des institutions culturelles, c'est une question monétaire, c'est que ça coûte très cher de numériser les œuvres. Parfois, il y a tout le débat de l'originalité. Est-ce que c'est une numérisation qui est faite en un clic ou est-ce que c'est des experts qui viennent et que ça leur prend une journée faire une numérisation d'une petite œuvre? Mais BNQ a pris des décisions qu'elle n'allait pas dans ce sens-là, que ce qui était du domaine public, c'était du domaine public et qu'elle n'allait pas assez créer une nouvelle. Mais ça, c'est un autre débat. Oui, désolé, j'ai fait.
Oui, c'est un débat. Je pense qu'il est important, c'est que là, on est vraiment sur. On parle pas des droits d'auteur sur la numérisation de l'œuvre. On parle vraiment de l'évaluation des droits d'auteur de l'œuvre en tant que telle. Donc, cette affiche-là, voici l'évaluation qu'on a faite. On n'a pas ce qu'il faut pour donner une licence aux gens. Parce que les titulaires des droits ne nous ont pas permis de le faire. Mais après avoir fait l'évaluation, on considère qu'on peut la diffuser avec cette mention-là. Et les mentions, les rights statements, permettent ça. C'est un outil qui nous permet de le faire, puis éventuellement, si un titulaire des droits qui vient nous voir, nous dit hey, « finalement, c'est moi », puis à ce moment-là, on pourra négocier une licence avec, on pourra s'arranger avec le titulaire des droits. C'est sûr qu'il faut avoir fait ce type de mention de droit-là. Il faut avoir fait des recherches sérieuses. On va pas dans ce sens-là si on n'a pas fait des recherches. Peut-être que tu peux préciser que pour cette affiche-là, par exemple, on va faire appel à la commission du droit d'auteur. Souvent, on va utiliser cette catégorie-là pour les documents où on a été vraiment au bout de la démarche. Là. On ne les a pas trouvés, puis on a sollicité donc, la commission du droit d'auteur qui nous a donné une licence pour pouvoir diffuser. Ça, c'est vraiment la... C'est très long, par contre. Je ne sais pas si vous c'est l'entre vous qui l'avez déjà fait, cette démarche-là. On le fait de temps en temps, mais c'est très, très long. Il faut être très patient. Ça peut prendre un an, deux ans. Moi, la dernière que j'ai faite, ça dure depuis un an, puis c'est toujours pas réglé. C'est un corpus. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'œuvres, mais c'est un seul auteur, c'est un photographe, puis c'est très long. Un autre exemple, donc une œuvre, on a ici un livre pour laquelle, après avoir donc, fait des recherches, on n'arrive pas à déterminer s'il y a des droits d'auteur ou pas. Donc, ça peut arriver dans une situation où on n'arrive pas à savoir qui est l'auteur, est-ce qu'il a envie, à quel moment ça a été publié ou créé. Il y a certaines situations où on ne saura pas, on ne sera pas capable de déterminer quel est le droit d'auteur sur l'œuvre. Donc, encore une fois, les mentions de droit des rights statements vont nous permettre de diffuser l'œuvre en informant les usagers du statut de droit d'auteur sur cette œuvre-là. Et puis, éventuellement, l'usager pourra prendre lui-même une décision de ce qu'il fait avec cette œuvre-là s'il veut l'utiliser. Pour notre part, si jamais il y a un titulaire des droits qui nous informe qu'il a des droits sur l'œuvre, à ce moment-là, on aura également une occasion de rectifier le tir en obtenant les droits du titulaire des droits. Pas un exemple de White Statement, c'est plutôt une mention que BNQ a créée. Peut-être que ça va faire jaser un peu parce que c'est assez unique. Les Creative Commons donnent la possibilité d'utiliser une marque du domaine public. La difficulté avec cette marque du domaine public-là, c'est qu'elle elle conseille aux personnes qui veulent donner des licences à ce que l'œuvre soit dans le domaine public partout dans le monde. Le Canada, ayant donc 50 ans après la mort, il y a d'autres exceptions, il y a d'autres mentions dans la loi sur le droit d'auteur, mais il faut retenir 50 ans après la mort, et c'est différent des autres pays, donc on ne peut pas dire de manière générale une œuvre est dans le domaine public au Canada et elle l'est partout dans le monde. Donc il y a un danger pour une institution culturelle de dire qu'une œuvre est dans le domaine public et d'utiliser la marque des Creative Commons. Il y a un danger que dans un autre pays, quelqu'un vienne nous reprocher le fait d'avoir utilisé cette marque-là en disant non, elle est encore protégée en France ou aux États-Unis. Pour pouvoir quand même diffuser et permettre l'utilisation d'immenses corpus des collections de BNQ, il a été décidé d'utiliser, de créer une marque du domaine public propre au Canada pour vraiment favoriser l'utilisation des œuvres pour qu'un Canadien qui, au Québec, ailleurs au Canada, puisse se dire, moi, cette œuvre-là, je peux l'utiliser, il n'y a pas de droit,
je peux la remixer, je peux faire une nouvelle création avec, je peux... donc ça permet vraiment une meilleure utilisation des œuvres. Et puis, sans cette marque-là, il aurait fallu probablement faire une évaluation plutôt d'un public général, 70 ans, donc on vient couper un petit peu une vingtaine d'années d'utilisation pour les usagers. Donc c'est pour ça que cette marque-là a été créée par les NQ. C'est un peu pour pallier à ce manque-là des Creative Commons. On le sait qu'il y a, en ce moment, il y a probablement que la durée du droit d'auteur va être augmentée au Canada. Là. C'est probablement ce qui va se passer. C'est la question, c'est quand ça va être fait. Il va y avoir du droit transitoire. Là. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Le droit transitoire, c'est de savoir quand est-ce que ça va être mis en place, est-ce que ça va être rétroactif ou pas. Donc ça, on est encore dans le flou par rapport à ça. Je ne sais pas si Olivier a plus d'informations, mais pour l'instant, on ne sait pas trop quand est-ce que ça va être mis en place puis ce que ça va vous demander. Mais pour l'instant, on utilise cette mention-là qui est très utile pour nous autres et pour les usagers aussi. Pour prendre des questions, je voudrais rapidement parce que l'heure de l'apéro approche. C'est une copie d'écran en fait de la page d'accueil de BNQ Numérique. Ce qu'on a fait à l'automne, on a rajouté un bandeau ici, domaine public. Donc c'est vraiment pour faciliter l'accès à ces documents-là. Donc on clique sur le bandeau et puis vous allez arriver à une page intermédiaire qu'on a fait créer. Par type de document, une façon d'explorer la collection. Puis, tout en dessous, là, pour voir l'ensemble, je peux cliquer là-dessus. Et puis, donc, j'obtiens un résultat dans BNQ numérique. Et en fait, comment on fonctionne, c'est par des filtres sur la droite. Il y a vraiment une catégorie conditions d'utilisation. Et on a, qui est en bas à droite, et puis, vous avez la case domaine public au Canada que vous pouvez cocher. Et ça va vraiment limiter votre recherche. Et là, vous pouvez faire une recherche précise avec des mots-clés, etc. Avec ce filtre-là activé, vous allez avoir uniquement des documents du domaine public au Canada. Ou sinon, on en a d'autres libellés en lien avec les autres catégories des différentes licences que vous pouvez faire. Question. Donc, par rapport à ce filtre-là, est-ce que si on fait la même recherche avec Google, on va pouvoir filtrer aussi? Non. Je ne pense pas qu'on soit indexé dans Google pour une collection. Quand on fait des recherches d'images dans Google. Ici, une autre manière de connaître l'information. Donc, vous avez le document ou l'image. Dans le panneau Informations en haut à droite, vous cliquez et vous voyez apparaître les métadonnées et le logo aussi qui est assez visible, qui permet de savoir que le document est du domaine public au Canada. Et en cliquant sur le logo, ça va mener dans une page de conditions d'utilisation où on donne les explications sur la signification de ce logo-là. Pour tous les autres logos, on a Right Statement puis Creative Commons, parce que celui-là, on l'a créé, là, on l'a adapté des logos de Creative Commons et Right Statement. Mais pour les autres, on va refaire un lien qui va mener sur les pages de Creative Commons et de Right Statement. Alors, oui, juste pour dire que le chantier se poursuit, parce que c'est énorme, on a des millions de documents, donc il y a des corpus qui sont faciles à identifier, ce qui est du 19e siècle, etc. Donc, on a nos clés de recherche pour essayer d'aller... on voulait avoir des gros pans de collection le plus rapidement possible, mais là, il faut qu'on aille dans le détail, œuvre par œuvre, pour examiner des œuvres en collaboration avec plein d'auteurs. C'est que ça peut être quand même assez long de faire des évaluations, mais c'est en cours. Donc, on met ça à jour continuellement. Ici, des gens comme vous font des recherches, puis quand on n'a pas fait l'évaluation, c'est inscrit non évalué. Vous communiquez avec nous, puis on va vous aider à faire la recherche, puis nous-mêmes, on va mettre à jour notre base de données. Voilà, donc c'était un résumé là, de ce que j'ai déjà dit, des avantages du projet. Alors j'espère que ça vous plaît comme initiative. Vous répondez oui. Ok, super.
Alors, merci. Est-ce que vous avez des questions? Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des gens? Dans un cas où le titulaire des droits est introuvable, est-ce qu'il y a une façon, bon, je sais que c'est toujours la gestion de risque, là, mais est-ce qu'il y a une façon de se protéger un peu en notant, par exemple, les procédures qui ont été, les recherches qui ont été faites pour essayer de trouver cette personne-là, pour que si jamais un jour le titulaire apparaît, c'est quoi les risques, en fait, associés à diffuser une œuvre dont on ne trouve pas les droits? Je pense que c'est l'avocat qui va répondre. Ben, les risques sont les mêmes que toute utilisation d'œuvre protégée sans la permission du titulaire des droits. La plupart des cas, ça se règle à l'amiable. Ça va être un paiement des sommes pour, par exemple, une diffusion d'œuvre et puis, ultimement, soit une entente pour continuer à la diffuser ou cesser de diffuser. Donc, c'est vraiment ça les cas. Il y a aussi le risque réputationnel de l'institution. C'est sûr que quand on est BNQ ou la Ville de Montréal, on agit différemment que si on est une petite boîte privée qui a moins de comptes à rendre au public. C'est à peu près ça les risques. C'est sûr que c'est sûr qu'on suggère qu'il faut faire une recherche documentée. Si jamais la personne effectivement se manifeste, à ce moment-là, on aura un dossier qui est préparé. Alors, on se posait une question concernant la public domaine Marc Canada. En fait, fondamentalement, vous n'utilisez pas de marque du domaine public pour le reste de la collection. Actuellement, non. Okay. Parce que du coup, ça pose vraiment problème. C'est-à-dire que si quelqu'un est extérieur au Canada, il ne connaît pas le statut de domaine public d'un contenu. En même temps, et c'est un peu étrange parce qu'on a un peu du mal à déterminer le risque que vous voulez éviter de prendre. Parce que de l'autre côté, vous diffusez des œuvres qui peuvent être soumises au droit d'auteur, on peut supposer objectivement qu'elles le sont, comme l'affiche des années 70. Et pas celle-ci qui se fait dans le domaine public. Alors, j'aurais compris qu'on utilise la marque de domaine public du Canada au Canada pour les œuvres dans le domaine public de 50 ans après la mort de l'auteur, et qu'on utilise une marque de domaine public classique comme partout ailleurs pour le reste. Qu'est-ce qui vous empêche de faire ça? Mais parce que dans nos systèmes actuellement, ce qu'on a, c'est vraiment. On a fait l'évaluation par rapport aux droits canadiens. Donc, on n'a pas fait cette évaluation-là actuellement, mais on est conscient des difficultés que ça peut susciter chez les chercheurs. C'est une question qu'on se pose et qu'on a mis de côté actuellement, mais qu'on aussi, effectivement, il y a des récriminations assez sérieuses. Là, on va regarder, mais en fait, ça va nous amener à refaire une seconde analyse, à repasser. Donc là, il faut voir qu'est-ce qu'on priorise. Est-ce qu'on termine actuellement ce qu'on est en train de faire? Puis on repasse ensuite. Mais effectivement, c'est une très bonne question, puis on se l'est posée. Donc, on continue à faire une question. Il est privilégié d'aller plus vite et de ne pas vous limiter à ce qui. Non, d'augmenter en fait la validation. Oui, et puis c'est vertueux initialement. Ça, parce que c'est donc les systèmes, c'est aussi les gens, parce que derrière ça, il y a des gens qui font l'évaluation également. Donc c'est éventuellement, c'est sûr qu'on va en reparler, mais pour l'instant, les décisions qui avaient été prises, effectivement, que faire du domaine public Canada, il faut faire en plus une couche de domaine public international. Ça s'est vraiment posé à la dernière seconde, la question. Donc, on a réagi très, très, très rapidement parce qu'on ne s'ennuyait pas comme ça. Mais, puis on voulait faire quand même une annonce rapidement pour que vous puissiez en profiter, justement. Puis, il n'y a rien qui empêche que les choses évoluent. C'est peut-être l'occasion de dire on s'est posé cette question-là parce que c'est à partir du moment où vous mettez une étampe de domaine public sur une œuvre. Après ça, cette œuvre-là est diffusée de cette manière-là, puis ça peut partir sur le web, puis vous êtes responsable de ça. Donc, si vous faites cette évaluation-là, vous assurez qu'effectivement, cette œuvre est dans le domaine public partout. Comme au Mexique. Au Mexique aussi.
c'est une question que je vous pose, mais c'est une question qu'on s'est posée, en fait. Là. Normalement, le domaine public est appliqué en fonction du pays où l'œuvre a été diffusée ou créée. Donc, ça serait le 50 ans après la mort de l'auteur qui serait appliqué. Donc, l'œuvre tomberait dans le domaine public ensuite, puis ben, ça, ça aurait préséance sur la façon que le domaine public est appliqué aux États-Unis au Mexique. Mais les Creative Commons, nommément, là, ne recommande pas l'utilisation de cette marque-là si elle est si on n'est pas dans le 70. Pour le Canada, c'est pas suggéré d'utiliser la marque générale du domaine public des Creative Commons si on n'est pas dans le 70, évidemment. Ça, c'est une réflexion qu'on a eue, mais c'est vraiment ce qui est suggéré par l'organisation des Creative Commons. C'est Creative Commons? Oui, c'est intéressant. Oui, parce qu'on aurait pu utiliser la marque du domaine public des Creative Commons, c'est ça c'est la possibilité. Et les White Statements n'en proposent pas. Parce que la plupart, c'est ça, 70 ans, on a moins de chances de se tromper. À 50 ans, on est un des seuls, là, encore. C'est des vieilles tendances impérialistes européennes? Non, mais je pense que la question s'est posée au niveau d'Europanera. Ils ont discuté de l'utilisation de cette marque de la publique. Il faudrait regarder en détail d'ailleurs, parce que vous avez contacté les gens qui avaient élaboré en premier lieu sur cette question particulière du right statement, pour savoir s'ils s'étaient posé la question. Oui, en fait c'est ça. Quand on regarde justement dans les right statements, il y en a une, c'est une mention domaine public aux États-Unis. Ouais, donc ils avaient le même problème que nous, en fait. Puis ils suggèrent d'utiliser les Creative Commons pour le reste. Ils renvoient donc les institutions vers les Creative Commons. Est-ce que quelqu'un a des questions? Tout le monde a soif. Je vous remercie. Merci beaucoup.